Eh bien, bonsoir tout le monde. Là, je regarde mon microphone parce que depuis tantôt qu'il se ferme tout seul, là, il a l'air à vouloir demeurer allumé. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 15 novembre 2021. Avant de débuter, j'avais un petit mot à vous adresser. Je pense que c'est important. C'est le premier conseil municipal, la première séance du Conseil municipal du nouveau conseil. Alors, d'abord, je vais vous remercier pour la confiance que vous m'accordez en me permettant de vous représenter pour un deuxième mandat. Et je veux mettre quelque chose tout de suite au clair. Je n'interprète pas ça d'être élu sans opposition comme un chèque en blanc. C'est une lourde responsabilité pour moi, comme pour mes confrères et consoeurs, de diriger une municipalité. Et on prend ça au sérieux. C'est aussi un honneur de pouvoir être à la barre d'une ville comme Brabant. C'est une ville qui fait beaucoup parler d'elle et en bien. Alors, c'est très plaisant d'être dans ce type de ville-là. Il y a des villes qui sont dans des croissances, qui ont des difficultés. Nous, à Bromont, je pense qu'on peut dire que ça va bien. En arrivant en poste en 2017, un de mes objectifs dans le premier mandat, c'était d'assurer un esprit de collégialité autour de la table du conseil municipal. Un conseil dysfonctionnel, vous le savez, c'est une entrave importante à la bonne gestion d'une ville. L'écoute active, le respect, la place au débat d'idées doivent primer autour de la table afin de permettre à toutes et à tous d'exprimer librement leurs opinions, faire des propositions. Sans l'ouverture d'esprit et un désir sincère de mettre en priorité l'intérêt collectif dont ont fait preuve les membres de l'ancien conseil, ça aurait été très difficile d'atteindre cet objectif-là, puis je veux les en remercier. Vous avez probablement remarqué qu'il y a plusieurs projets structurants qui ont été réalisés ou initiés durant le premier mandat, que ce soit la place publique, la rénovation, l'agrandissement du centre Saint-Jean, l'aménagement du nouveau centre communautaire, la création du parc des sommets, la construction d'un pavillon d'accueil, le développement du parc scientifique, l'aménagement d'un nouveau poste de police, la mise à jour du plan de développement durable, la bonification du nouveau pont sur la rue Shefford, qui est la propriété du MTQ, qui n'est pas terminée, je vous le dis tout de suite. Il y a des travaux à faire au printemps, parce que ce pont-là, c'était pour avoir des voies de virage à gauche dans les deux sens. Alors là, on a un magnifique pont flambant neuf, pas de virage à gauche, puis il va falloir l'endurer pour l'hiver, parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient terminer au printemps. À ça, la Ville a investi pour avoir un trottoir, une piste cyclable. Et il y a, au total, il y a plus d'une centaine de projets là, qui ont été initiés durant le premier mandat à tous les niveaux. Là. Alors, je savais bien en arrivant en poste qu'on avait des défis, mais sincèrement, là, je ne m'attendais pas à une pandémie. Il n'y a pas personne d'autre qui s'attendait à ça, une pandémie mondiale. Puis cet événement-là a provoqué un mouvement de population des grandes villes vers les régions. Au début, on se disait, ouf, avec la pandémie, ça va faire dur. C'est exactement le contraire qui est arrivé. Et les villes privilégiées, comme des villes de villégiature, comme Bromont, évidemment, c'est populaire. Puis ça exacerbe la rapidité du développement qui a cours sur le territoire. Il y a des hausses significatives de la valeur des propriétés. Alors, ce phénomène a pour effet de limiter aussi l'accès à la propriété aux jeunes familles, aux travailleurs, puis ça risque aussi de créer un embourgeoisement de Bromont, puis c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux, puis on va prendre ça au sérieux. À l'aube de mon deuxième mandat, bien, j'ai le plaisir d'accueillir des nouveaux élus et des nouvelles élus autour de la table, et on a, comme vous remarquez, un conseil paritaire. Alors, j'aimerais, à ma droite, vous présenter Mme Jocelyne Corbeil, qui représente maintenant le quartier Adamsville, à côté M. Nicolas Robillard, qui représente le quartier Pierre-Laporte, et à l'autre bout, Mme Tatiana Contreras, pour Mont-Soleil. À ça s'ajoutent les vétérans, Mme Claire Mayotte, Lac-Bromont, M. Michel Bilodeau, Montbrome, et à ma droite, l'éternel Jacques Lapensée de Sheffield. Alors, merci tout le monde. Bon, toutes et tous arrivent au conseil avec un bagage de vie différent. Leurs valeurs, leurs perceptions, leur personnalité, leur couleur. C'est ce qui fait le succès d'un conseil ou son insuccès. J'ai eu l'occasion de toutes et tous les rencontrer individuellement.
On a échangé sur notre vision de Bromont, leurs préoccupations pour leur quartier, d'où ils viennent, leur expérience professionnelle, etc. On a eu des belles discussions. Vendredi dernier, on a eu une première rencontre de travail officielle. Et vraiment, je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. Puis je suis convaincu qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Vous savez, quand on laisse nos égos à la maison, qu'on s'assoit tous ensemble avec l'objectif ultime de bien servir Bromont, bien, on est en business. Et je pense que le conseil qui est ici devant vous ce soir, c'est exactement ça qui se passe. Et je suis vraiment heureux de ça. Parce que lorsqu'on sollicite un deuxième mandat, on n'a pas de parti politique à Bromont. Bien, on ne le sait pas avec qui on va travailler. Les citoyens qui décident avec qui on travaille. Alors, moi, je suis bien heureux des gens qui sont là, puis je suis certain que ça va bien aller. Évidemment, tout n'est pas parfait. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont eu 100 % dans tous leurs bulletins sur la vie, donc nous autres non plus, mais on fait vraiment du mieux qu'on peut. Alors, le nouveau mandat qui s'en vient pour nous, c'est un mandat qui est sous le signe de la consolidation et de la poursuite de réalisations importantes pour la communauté, puis on va faire ça en équipe. Je vais vous donner, pas tous les points, mais les grandes lignes de vers quoi on s'en va, les grandes orientations. Premièrement, assurer l'achèvement des projets qui sont en cours. Les projets qui ne sont pas terminés, il faut qu'ils soient terminés. Suite au tsunami de la COVID, bien, il faut s'assurer d'avoir un meilleur contrôle du développement immobilier. Puis ça, ça va passer par une révision de notre plan d'urbanisme et de nos principaux règlements. Je vous dis ça parce que la loi nous permet, au 5e anniversaire d'un plan d'urbanisme, d'en faire la révision. Et c'est en mai 2022 qu'on aura atteint ce 5 ans. On doit aussi trouver des solutions pour assurer des logements abordables aux jeunes familles, aux travailleurs, aux aînés. On doit, à mon humble avis, puis je le répète, éviter un embourgeoisement de notre ville et préserver notre tissu communautaire et social. C'est ce qui fait la richesse aussi de Bromont. Et c'est en cohérence avec notre vision d'une ville pour tous. Ce ne sont pas des défis qui sont faciles à relever, à régler, mais on va s'y atteler. On doit aussi revoir notre cadre financier afin de continuer d'assurer la bonne gestion de nos avoirs, respecter la capacité de payer des citoyens. On doit résoudre la problématique de fluidité de la circulation sur le boulevard Bromont. S'il y en a qui pensent qu'on ne s'en est pas rendu compte, je vous le dis tout de suite, on l'a vu. On doit assurer des investissements nécessaires dans nos infrastructures sur et sous terre. Il est de notre responsabilité de ne pas laisser un héritage négatif aux générations futures. À cet égard, le programme de gestion des actifs qui a été mis en place en 2017, il n'y avait jamais eu de programme de gestion des actifs avant, mais ça, ça va nous permettre d'assurer une meilleure planification des investissements à court, moyen et long terme. Et je vous le dis, des investissements importants vont être à prévoir, c'est certain. On va mettre sur pied un comité consultatif en environnement et développement durable afin de bonifier nos actions et nos efforts environnementaux. On va assurer un meilleur contrôle de l'utilisation de l'eau potable. C'est pas juste une affaire de la ville, ça, l'eau potable. Hein? Quand je vois les sprinklers sur les terrains qui partent quand il pleut. Déjà, d'avoir des sprinklers, c'est une chose, mais quand il pleut, c'est encore pire. Alors, il y a pas quelque chose qu'on peut faire, chacun d'entre nous, comme citoyens, pour préserver l'eau potable. Puis, il faut trouver une source complémentaire d'approvisionnement dans un contexte d'adaptation au changement climatique. On ne peut pas se fier juste à notre rivière. Même s'il y avait de l'eau en masse, imaginez une contamination, c'est de là que vient notre eau. Donc, il faut être capable d'avoir une source secondaire. Il y a déjà des budgets, au moment où je vous parle, qui ont été autorisés là-dessus. Puis, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Puis, on devrait arriver avec des solutions. On doit poursuivre le développement de notre parc scientifique afin de nous assurer des revenus importants dans le futur. Une ville, c'est tributaire des taxes. Puis les revenus générés par le parc scientifique dans les années à venir vont nous donner les moyens financiers pour réaliser des investissements d'infrastructures, des projets environnementaux et autres. Les taxes au niveau industriel sont beaucoup plus payantes pour une ville que nos taxes résidentielles. À titre d'exemple, pour chaque dollar de taxes que vous payez à Bromont, une fois qu'on a enlevé les services qu'on donne, il reste 2 sous. C'est sûr qu'à 2,5 milliards de richesses foncières, à coût de 2 sous, bien là, ça fait de l'argent. Mais on a juste 100 millions en industriel à Bromont. Donc, il y a 2 ans, le conseil a accepté d'investir pour desservir les terrains qu'il y a dans le parc scientifique.
Alors, depuis, on a signé un contrat avec le groupe Montagny de 6 millions de pieds carrés à 3 $ le pied. C'est une entreprise, puis vous irez voir sur Internet, là, je ne ferai pas, ils ne sont pas difficiles à trouver. C'est des spécialistes du développement de ce type de parc-là. Et il y a une autre phase de 2 millions de pieds carrés qui s'en vient aussi. Et il y a d'autres projets probablement qui seront annoncés par le gouvernement du Québec d'ici la fin de l'année. Donc, pour nous, le parc scientifique, c'est vraiment une priorité. On veut poursuivre aussi les actions en développement durable, poursuivre le projet de ville nourricière sur lequel est attelée Mme Mayotte, et poursuivre les efforts pour la protection de nos plans d'eau. C'est important, on a des plans d'eau intéressants à Beaumont, il faut les conserver. Alors là, ce sont les grandes lignes. J'ajoute évidemment à ça la responsabilité de répondre aux impondérables, parce que ça, c'est tous les jours, puis de continuer d'offrir une qualité de service auquel les citoyens de Beaumont sont en droit de s'attendre. Alors, la dernière chose, c'est que je veux vous dire que, afin de s'assurer de demeurer en contact avec vous, tu sais, on parle beaucoup, là, on est tous sur nos téléphones cellulaires, sur Facebook, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se parler puis de se voir. Moi, quand on est séance du conseil, je suis content de voir des gens ici. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais j'ai pris la décision d'organiser, puis ça va se faire par quartier, probablement, que même les quartiers vont être divisés en sections de façon à être encore plus cohérent. Mais d'organiser des rencontres avec les citoyens et le conseiller du quartier où seront organisées ces rencontres-là. Puis ça, pour moi, ça va être des moments conviviaux, de partage, d'échange, de vous entendre sur ce qui va bien à Beaumont, sur ce que vous aimez, sur ce qu'on peut améliorer, ça de façon positive, pour aider le conseil municipal à cheminer. Je veux vraiment qu'on soit plus près, qu'on décroche de l'Internet, puis qu'on se parle en se regardant dans les yeux. Alors, je vous remercie encore de la confiance que vous nous accordez. Et sans plus tarder, on va débuter. Donc, avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière, est-ce qu'on a des ajouts, des retraits ou des modifications? Oui, Monsieur le maire, on va avoir 3 points en affaires nouvelles. Le 8.1, correction de la programmation de travaux partiels pour le programme de la TEC 2019-2023. Le 8.2, autorisation du paiement de l'avenant supplémentaire au contrat initial à Comco Entrepreneur en bâtiment pour la construction du pavillon d'accueil et de ses infrastructures. Et le 8.3, dépôt d'une pétition concernant la préservation du couvert végétal dans le projet des nouveaux ateliers municipaux. Avec ces changements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour? Bien sûr, monsieur le maire, donc je le propose. Merci, j'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant à la première période de questions. Est-ce qu'on a des questions, Madame la greffière? Oui, monsieur le maire. En fait, en première période de questions, je crois qu'il y a des gens de l'audience qui voudraient peut-être poser des questions. C'est sur les points qui portent sur l'ordre du jour. Moi, j'en avais pas reçu préalablement par Internet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient poser des questions sur des points qui sont à l'ordre du jour? Oui, très bien, madame. Oui, s'il vous plaît, on va vous amener un micro. Vous devez vous présenter, dire sur quelle rue vous demeurez. Et bonjour, je suis Danielle Dano. Est-ce qu'on l'entend, le micro? Oui, parfait. Premièrement, ben, je veux féliciter les élus et les réélus. Je sais, étant moi-même fille d'un ancien politicien conseiller municipal, je sais à quel point vous travaillez fort. Alors, merci de nous entendre. Mon nom est Danielle Dano. Je suis fondatrice de Cardio Plein Air. Je ne suis pas de Beaumont, mais je suis ici pour appuyer René Grégoire, qui est de Beaumont. Et j'aimerais parler du point 5.4. Ma question est, est-ce que le conseil serait prêt à reconsidérer la tarification
qui est imposée aux entreprises privées qui utilisent les parcs. Nous servons vos citoyens depuis 14 ans. Nous sommes réputés pour être un entrepreneur social, c'est-à-dire qu'on est très impliqué dans la communauté en faisant beaucoup de bénévolat. Et c'est ce que Mme Grégoire fait au sein de la communauté. Alors, je proposerai plein de solutions parce qu'on est dans à peu près 100 quelques villes à travers la province du Québec. Donc, je pourrais amener des solutions. Je ne sais pas si ce soir est la bonne période pour le faire, mais j'aimerais bien m'asseoir, et Mme Grégoire aussi, pour qu'on puisse regarder comment on pourrait fonctionner ensemble et continuer à servir vos citoyens. Mais c'est sûr que la tarification qui est demandée ferait en sorte qu'on serait obligé de fermer les portes à Bromont. On ne serait pas en mesure de le faire. Bien, je vous remercie. Voici la réponse. Bon, ce soir, on a un avis de motion qui touche l'adoption des tarifs à la ville de Bromont. Comme vous le savez, Mme Dano, nos services essaient aussi d'être équitables. Il y a des plateaux qui appartiennent aux citoyens de Bromont. Quand il y a des entreprises privées, là, on ne parle pas d'OBNL, quand on parle de business qui veulent venir utiliser nos plateaux, bien évidemment, il faut avoir des tarifs qui sont en conséquence. Je vous entends bien. Ce soir, on va évidemment passer l'avis de motion parce que dans l'avis de motion, ce sont les tarifs de l'ensemble des plateaux à Bromont. Par contre, d'ici l'adoption de ce règlement-là, votre demande va être traitée au conseil municipal et on va regarder si on peut améliorer la situation. Mais comprenez bien que notre devoir, notre première préoccupation, c'est de s'assurer que les tarifs sont équitables quand on s'adresse à des entreprises privées. Ce sont des actifs qui appartiennent aux Bromontois, donc on doit facturer. Et on est prêt à payer. Je veux juste signaler qu'on est prêt à payer. On fera du brainstorming. Je vous ai entendu. Alors, c'était ma réponse, ça m'a fait plaisir. Certainement, madame, si vous pouvez poser une question, si vous voulez aller au micro, s'il vous plaît. Bonsoir, mon nom est France Saint-Onge, je suis résidente de Bromont. Je suis membre de Cardio Planaire depuis que je suis à Bromont, ça fait bientôt 10 ans. Ça me dérange un peu lorsque j'ai entendu parler de cette tarification-là, parce que je me dis si, par exemple, je vais vous donner un exemple, je décide demain matin de me prendre un coach personnel pour aller faire du jogging dans les parcs ou dans les rues de Bromont. Je serais pas, en tout cas, en principe, je ne sais plus si je dois à ce moment-là déclarer que j'ai une personne qui est indépendante, mais qui est privée, qui va me donner des cours, puis comment je vais faire, puis comment on va faire pour régimenter ou régler ça. Parce que là, je me dis, si je suis obligée de payer cardio plein air, parce qu'eux autres ont des frais, est-ce que si j'engage quelqu'un qui est un indépendant pour me donner des cours privés, je vais être obligée de payer aussi pour utiliser les rues et les parcs de la ville? En tout cas, c'était ma question. Je vous l'envoie. C'est très pertinent, Mme Saint-Onge. C'est pour ça que j'ai répondu qu'on allait rediscuter de ça avec le nouveau conseil municipal. Okay. Il faut comprendre que nos fonctionnaires, eux, ils ont un devoir. Oui. On s'en va vers un budget, là. Hein? Oui, oui, je comprends très bien ça. Les services aux citoyens, ça coûte de l'argent. Oui. Alors, eux, ils font leur travail, puis ils disent au conseil municipal, voici les tarifs qu'on propose pour les différents plateaux de la ville de Bromont. Mais on prend acte de ça. Okay. Et comme ce soir, comme je vous dis, on doit avancer. Donc, on va faire l'avis de motion. Mais il peut y avoir un changement entre aujourd'hui et l'adoption du règlement. Il faut juste comprendre que nous aussi, on est citoyens de Bromont, oui. Puis on paie des taxes, oui, dans lesquelles sont inclus ces services-là. Puis je ne vois pas pourquoi on aurait à repayer un montant supplémentaire. Donc, c'était mon intervention. Merci, madame, d'avoir pris le temps de venir vous exprimer. Merci beaucoup. C'est le bon endroit. Est-ce qu'on avait d'autres questions? C'est beau. Alors, sans plus tarder, oups, je vais. Donc, on va passer maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 octobre 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer cette demande? Je le propose, M. le maire. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup, Mme Corbeil. Affaires des membres du conseil municipal. Contribution annuelle pour l'entente de service aux sinistrés entre la Ville de Bromont et la Société canadienne de la Croix-Rouge. M. Bilodeau. Eh bien, M. le maire, donc ici, il s'agit réellement de maintenir une entente avec la Croix-Rouge.
et qui, et comme vous le savez, c'est une ressource essentielle pour les sénistes, les mineurs ou les majeurs. Donc, on parle ici d'une contribution de 1 845,86 $ pour une période de novembre 2021 à novembre 2022. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Maintenant, 4.2. Appui au financement du service 211 par le gouvernement du Québec. Madame Mayotte? Oui, alors mon micro fait comme le vôtre. Monsieur le maire, il s'éteint tout seul. Non, mais si vous parlez, il ne faudrait pas arrêter de parler. Quand on n'arrête pas de parler, le micro, il se ferme pas. Que... Allez-y. Je vais en faire l'essai. On va voir si ça fonctionne. Alors, le service 211, monsieur le maire, c'est un service qui est très intéressant. C'est un numéro de téléphone où toute la population peut appeler pour avoir l'information sur... moult ressources, qu'elles soient communautaires, de la santé, des services sociaux. C'est un service qui existe dans plusieurs MRC. Dans Bromissiquoi, il n'y en avait pas, mais avec un financement fédéral d'urgence en lien avec la COVID, le service a été disponible dans la région de Bromissiquoi. Par contre, ça prend fin en décembre de cette année. Alors ici, c'est que c'est une réponse qui est rapide, fiable aux citoyens et à tous les milieux qui sont intéressés. Alors, la proposition ici, c'est de demander au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au service 211, tel que formulé dans une mémoire qui a été présentée en février dernier à cet effet. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Oui, je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. 4.3 maintenant, c'est aussi un appui au MRC de Bromissiquoi et de Maria Chapdelaine pour demander la décentralisation du système de santé du Québec afin de favoriser une gouvernance locale. Vous le savez, ici, à Bromissiquoi, on avait un directeur, la gouvernance se faisait ici. Quand il y a eu des changements, tout s'est ramassé à Sherbrooke, au CIUS. Donc, les MRC, plusieurs MRC se sont mis ensemble pour demander au gouvernement du Québec la décentralisation. Madame Mayotte. Oui, tout à fait. Alors, c'est 750 médecins qui ont émis 4 recommandations. Les attendus que sont très longs, là, mais c'est vraiment là, en lien, comment est-ce qu'avec la... depuis 2015, la réforme du Dr Barrette là, qui a centralisé l'ensemble des pouvoirs. OK. Merci beaucoup. Et ça va très bien avec le CIUS de Sherbrooke. Le problème n'est pas là. C'est seulement, il n'y a pas de centre décisionnel comme c'était le cas avant. Alors, la recommandation est à l'effet de rétablir dans tous les... dans chaque centre hospitalier de soins, quatre aspects principaux, le rétablissement d'un poste d'administrateur décisionnel local, rétablissement d'un poste décisionnel de directeur des services professionnels de la DSP, rétablissement d'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, rétablissement d'une table des chefs locales réunissant tous les chefs de département d'un centre hospitalier. Alors, la résolution est à l'effet d'appuyer les 4 recommandations émises par le regroupement des médecins pour la décentralisation des soins de santé, d'appuyer la résolution qui vient de la MRC de Maria Chapdelaine, c'est dans le coin du lac Saint-Jean, d'appuyer la résolution de la MRC de Bromissiquoi et que la présente demande soit transmise à différents acteurs, M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Andrée Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Isabelle Charest, ministre et députée de Bromissiquoi, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, la MRC de Maria Chapdelaine, de même que la MRC de Bromissiquoi. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, 4.4 maintenant, consentement autorisant l'implantation du service 311 pour les juridictions téléphoniques et les taux cellulaires partagés par la municipalité de Lac-Brome. Monsieur Lapensée. Oui. Attendu que la municipalité de Lac-Brome implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens, attendu que les centres d'interconnexion cellulaire et filaire couvrent plus d'une municipalité, Lac-Brome doit demander une autorisation aux municipalités environnantes avec qui les juridictions sont partagées. Attendu qu'il faut savoir que la première municipalité à programmer le 311 pour un indicatif partagé recevra les appels associés à cet indicatif. Attendu qu'en contrepartie, et s'il y a lieu, la municipalité de Lac-Brome s'engage à transférer
des appels du service 311 cellulaire et filaire qui pourraient être destinés à la ville de Bromont. Il est proposé d'autoriser la municipalité de Lac-Brome et les fournisseurs de services en télécommunications afin que les juridictions et les tours cellulaires partagées avec la ville de Bromont soient configurées de sorte que les appels 311 soient acheminés à la municipalité de Lac-Brome et de transmettre copie de la présente résolution à la division de CITAM de COCA, organisation mandatée par la municipalité de Lac-Brome pour la représenter. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci beaucoup, Mme Contreras. 4.5 maintenant, c'est pérennisation de certaines pratiques technologiques acquises en période pandémique pour les conseils et les comités municipaux. Ben, vous savez, quand la pandémie est arrivée, on a zoomé. Et là, on a tous des doctorats en Zoom. Par contre, il n'y a pas juste des désavantages à ça. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, dans certaines rencontres, on évite des déplacements inutiles, des GES, des pertes de temps. Donc, on peut avoir certaines rencontres en hybride. Comme par exemple, demain soir, c'est la séance des maires de la MRC. Bien, moi, je serai en hybride. Moi, je serai ici à mon bureau. Je ne serai pas à Cowansville. Il y en a certains autres comme ça. D'autres seront présents. Mais à un moment donné, quand la pandémie va arrêter, la loi est faite en sorte qu'il faut être en présentiel. Donc, essentiellement, ce qu'on demande au gouvernement ici, c'est de laisser les villes et les MRC légiférer là-dessus et décider quelles rencontres, quelles réunions pourraient être faites en hybride, dépendamment de la situation. Alors, essentiellement, c'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer cette demande? Je le propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Corbeil. 4.6 maintenant, c'est une demande d'autorisation de transmission par courrier électronique des avis aux élus prévus aux lois municipales. M. Bilodeau. Quoi, en gros, quoi. Donc, si je prends un exemple, c'est que la greffière, lorsqu'elle doit nous envoyer un avis ou encore une invitation pour une séance extraordinaire, donc, elle devait l'envoyer par courrier recommandé. Donc, ça demande du déplacement des sous, tout ça, et puis on demande une formule hybride qui serait à la fois parfois recevoir ça par courrier recommandé ou par courriel. Donc, je vais lire le texte. De faire une demande au gouvernement du Québec qu'il prévoie une modification des lois municipales telles que le Code municipal du Québec et la loi sur les cités et les villes afin de permettre la transmission d'avis aux élus par courrier électronique avec preuve électronique de réception, en plus de la poste recommandé de transmettre une copie de la présente résolution à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que Mme Isabelle Charest, ministre et députée provinciale de Brome-Missisquoi, de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Brome-Missisquoi, ainsi qu'à l'Union des municipalités du Québec, pour leur appui. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci beaucoup. 4.7 maintenant, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2022. Vous savez, on est membre de l'Union des municipalités du Québec. Je siège sur différents comités là-bas. Donc, il s'agit de renouveler notre adhésion. Madame Mayotte, aviez-vous des choses à ajouter là-dessus? Oui, mais seulement que l'UMQ est vraiment une ressource très importante au niveau là, de l'appui des municipalités, des revendications également, énormément de formations qui est disponible. Il y a un congrès annuel qui est très apprécié. Alors, je recommande de renouveler l'adhésion pour un montant de 13 937,18 $. Et c'est un montant qui inclut également la cotisation auprès du Carrefour du capital humain. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Robillard. 4.8 maintenant, c'est la nomination des membres du Conseil sur les différents comités pour la période du 15 novembre au 31 décembre. Je vais laisser Mme la greffière les nommer. J'ai pas encore donné toutes les responsabilités à tous les élus parce que là, ce qu'il fallait faire... Non, c'est parce que là, quand Mme la greffière va vous lire, vous allez dire, coudonc, il y a juste deux qui vont faire de quoi. Mais c'est pas ça. On va faire des changements sur la façon de travailler. Il va y avoir ce qu'on appelle des commissions. En tout cas, c'est pas tout
organisé, mais ça va se faire d'ici le mois de décembre. Mais pour l'instant, comme il y a des... Je devais, par exemple, nommer un maire ou une mairesse suppléante, il y avait des choses qui devaient être faites maintenant. C'est ce que Mme la greffière va vous communiquer. J'aimerais, par contre, faire une annonce qui est importante pour moi. On est dans un conseil paritaire. Donc, j'ai nommé Mme Claire Mayotte mairesse suppléante pour la prochaine année. Pour le reste, allez-y, Mme la greffière, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, pour Mme la conseillère Tatiana Contreras, le conseil d'administration de la SODEB, soit la Société de développement économique de Bromont. Pour Mme Claire Mayotte, le comité de démolition, le comité du pacte Brome-Missisquoi et substitut du maire au conseil des maires de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi. Comme vous l'avez dit, là, Mme Claire Mayotte, à titre de mairesse suppléante du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Monsieur Michel Bledeau, le comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Jacques Lapensée, le comité consultatif d'urbanisme. Substitut du maire au conseil d'administration de la régie aéroportuaire des cantons de l'Est. Monsieur Nicolas Robillard, le comité du pacte Brome-Missisquoi. Le comité d'administration de la régie aéroportuaire des cantons de l'Est, le conseil d'administration de la Fondation du maire de la ville de Bromont, Mme Jocelyne Corbeil, le comité de démolition, et pour Monsieur le maire, je vais prendre une respiration. Je suis content, je suis content, je suis content, vous sembliez dire que je travaille, c'est beau. Il siège à la Commission des assises annuelles de l'UMQ, la Corporation d'aménagement récréo-touristique de la Haute-Yamaska, au comité directeur des municipalités de centralité de l'UMQ, au caucus des municipalités de centralité de l'UMQ, au comité de démolition, au comité PAC Brome-Missisquoi, au comité d'administration de la RARS, au conseil des maires de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, ainsi que sur les comités de la MRC qui lui sont assignés, dont le pacte Brome-Missisquoi. Il préside le conseil d'administration de la Fondation du maire de la ville de Bromont, le conseil d'administration de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie, le conseil d'administration de la Société de développement économique de Bromont. Il assure également le suivi des dossiers suivants, le développement économique, touristique et événementiel, le transport adapté, les communications et villes intelligentes, la cour municipale, la desserte des soins de santé, la desserte policière, Bromont-Lac-Brome, porte-parole en matière des mesures d'urgence. Et toute autre tâche connexe. Et toute autre tâche connexe. Okay. Merci beaucoup. Alors, avec ces explications, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Bien sûr, je propose. Merci, j'ai un appui. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Félicitations, Mme Mayotte. Je voulais vous dire, je pars un mois en vacances demain. Okay. Okay. Bon. C'est les congés, les vacances de Noël. Là. Merci de la confiance, M. le maire. OK, on est rendu à la partie règlement maintenant, donc à 5.1. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 923-21-2021, modifiant certaines dispositions du règlement numéro 923-2006, tel qu'amendé sur les nuisances. J'aimerais à ce point, avant qu'on donne l'avis de motion, Mme la greffière, que vous donniez une explication à ce Chinois. Il y a plein de numéros. Et ils veulent dire quelque chose. Mais moi, je pense que c'est important que les citoyens comprennent ce que ça veut dire. Donc, le 9-23-21-20-21, puis bon, alors, si vous voulez nous juste décortiquer ça, comme ça, pour les autres, après, on va tous comprendre. Oui. En fait, quand on adopte un règlement, puis ça, ça dépend des villes, mais nous, ils portent deux numéros, soit le numéro de règlement, puis l'année où il est adopté la première fois. Donc, notre règlement sur les nuisances, il a été adopté en 2006 sous le numéro 923. Après ça, à chaque fois qu'on fait un changement en droit, on appelle ça un amendement, bien, on lui donne un numéro dans le milieu. Fait que lorsqu'on voit un numéro comme ça, 923-21-2021, je te propose une question en quiz. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire combien de changements a eu ce règlement? Je ne sais pas. Hein? 21 changements, exactement. Fait que c'est le nombre d'amendements qu'il y a eu au règlement.
Merci, merci beaucoup. Non, mais c'est important parce qu'on tu sais, on est devant les gens, on garoche des numéros. Puis, ouais. Bon, c'est ça. Puis on fait des versions. Sur le site Internet, on met des versions codifiées, c'est-à-dire qu'on met une version qui a tous les changements dedans pour faciliter la lecture pour les citoyens. Merci beaucoup. Alors, ce n'était pas des numéros de loterie. Alors, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 923-21-2021, modifiant certaines dispositions du règlement numéro 923-2006, tel qu'amendé sur les nuisances, M. Lapensée. Il s'agit de quoi ici, entre autres? Oui. Et comme introduction, juste faire savoir que dans la salle, on a une visionnaire qui avait déjà reconnu qu'avec notre belle place publique, ça, c'est un bel endroit pour nos ados, pour faire de... que c'est un bel endroit pour ceux qui faisaient de la trottinette et évidemment du roulis roulant, même son impact officiel, quoi que ce soit. Et c'est sûr qu'idéalement, des affiches auraient dû apparaître en même temps que l'ouverture. Donc, entendu que c'est dans l'intérêt de la ville de préciser l'interdiction d'utilisation de bicyclettes, parce que la même chose, pour ceux qui sont en vélo, on va leur demander de descendre de leur vélo lorsqu'ils circulent à l'intérieur de la place publique, entre autres, pour sécuriser les piétons. Donc, l'utilisation de bicyclettes, de planches à roulettes et de trottinettes pour préserver la sécurité des piétons et, évidemment, le mobilier urbain, parce que c'est tentant d'aller d'aller pratiquer leurs planches au niveau du mobilier. Et, attendu que cet avis de motion-là de la présentation du présent règlement ait été donné à la séance d'aujourd'hui, le règlement a été déposé à cette même séance. Donc, en conséquence, le Conseil décrète ce qui suit constitue une nuisance, le fait de circuler à bicyclette ou en planche à roulettes et ou en trottinette sur les trottoirs ou dans les stationnements publics ou à la place publique ou sur les plateaux pour la pratique sportive et jeux d'eau du campus Germain-Dussourdis ou à tout autre endroit où il y a un risque d'endommager le mobilier urbain. Et le présent règlement entrera en vigueur probablement à la prochaine réunion du Conseil. Donc, je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup, M. Lapensée. Puis je dois vous dire que pourquoi on fait ça comme ça, c'est important. Si on ne passe pas par un règlement, les policiers ne peuvent pas intervenir. Ça prend un règlement. Donc, il faut rajouter ça dans le règlement des nuisances. Puis moi, il y a une dame qui était tout près de chez moi ce week-end qui vient me voir. Elle dit, M. Villeneuve, elle dit, c'est vraiment beau, la place publique, là, mais j'ai quasiment eu le droit à une coupe de cheveux parce que... Elle dit, là, il y avait des jeunes en skateboard qui roulaient sur les structures, puis ils passaient vite et tout ça. Ça fait que... Puis M. Lapensée m'en avait parlé, puis il avait dit, bon, Yann, ça va arriver, effectivement. Ça fait que là, dans ce temps-là, on est obligé d'amender puis de rajouter ça dans les règlements. C'est pas pour rajouter des règlements sur les règlements, mais si on veut avoir une poigne, bien, il faut être capable de le mettre dans le règlement. 5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1031-18-2021 a été changé combien de fois, lui? Modifiant le règlement numéro 1031-2016, tel qu'amendé relatif à la circulation et au stationnement, Mme Mayotte. Oui, alors c'est un règlement que l'on modifie régulièrement. Il y a plusieurs changements. Dans les quelques-uns, là, je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a quand même plusieurs. Interdiction de stationner sur le chemin d'Adamsville devant le 120 chemin d'Adamsville du côté S. D'ajouter deux interdictions stationnées sur la rue de Bagotte, entre Stansted et le rond-point, côté nord-est, ainsi que le rond-point. Ajouter deux interdictions stationnées sur la rue de Charlevoix. Et là, il y en a quand même quelques-uns, c'est durant la période d'hiver, donc on parle du 15 décembre au 15 mars. C'est le cas de Charlevoix, entre la rue Nicolet et Champlain, du côté S. La même chose de la rue des Deux-Montagnes à l'ouest de l'intersection de la rue Chapelot. Interdiction de stationner à l'ouest de l'intersection de la rue Chapelot. Encore ça. Ça continue comme ça quand même quelques-uns. Je pense que ça va être disponible sur le site Web. Oui. Alors, je dépose l'avis de motion. Merci beaucoup. Alors, à 5.3 maintenant, il s'agit d'un avis de motion et dépôt de projet de règlement 1058-03-2021, modifiant le règlement numéro 1058-2017 tel qu'amendé, concernant la régie interne et la tenue des séances du conseil municipal. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit le faire par règlement, mais à compter de l'an prochain, donc à compter de janvier. Les séances du Conseil auront plus lieu à 19h30, mais bien à 19h.
Alors, c'est l'essentiel de, cet avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un à me donner l'avis de motion? Oui, M. le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci. À 5.4, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1106-2021 décrétant l'adoption des tarifs de la Ville de Bromont pour l'exercice financier 2022. On a parlé tout à l'heure en entrée. Chaque année, on doit déposer ce règlement-là pour être capable de déjà prendre des réservations pour aller chercher des gens qui veulent utiliser nos installations. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion du projet de règlement. Et à la séance de décembre, bien là, le règlement sera vraiment adopté puis sera mis en vigueur à compter du mois de janvier. D'ici ce temps-là, on aura l'occasion de se reparler. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, M. le maire, je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup. Affaires courantes, alors, finances et trésorerie. L'adoption de la liste des comptes à payer, M. Bilodeau. Donc, le total des comptes à payer, donc on parle d'un montant de 3 329 882 dollars et 86 sous. Donc, je vais parler des quatre premières plus grosses dépenses, dans le fond. Donc, la première grosse dépense, c'est G.J. Ménard, aménagement pour la réfection de la rue Windsor, Champlain et La Violette pour un montant de 472 302 dollars et 75 sous. En passant, l'éclairage va arriver d'ici la fin du mois pour les gens qui se posent la question. Après ça, c'est construction Richelieu pour les travaux du centre culturel et le poste de police, donc d'un montant de 435 870 $ et 29 sous. Et après ça, vous avez pour le ministère des Finances, pour la reconstruction de la structure du pont de la 241, au montant de 266 568 $. Et après ça, la construction Telva pour les travaux d'aménagement de la place publique au montant de 183 407 $ et 48 sous. Donc, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Merci. Je l'appuie. Merci. Merci. Travaux publics, on n'a rien ce soir. On va aller au service technique. Donc, à 6.3.1, c'est une demande d'occupation permanente du domaine public au 17 de la rue de Windsor, M. Bilodeau. Eh bien, effectivement, c'est une demande, c'est que les gens demandaient d'avoir un stationnement permanent face à leur maison, quoi, au bloc appartement qui se trouve là, au 17 rue Windsor. Mais malheureusement, ils se retrouvent sur les terrains de la ville. Et donc, on n'aurait pas accès à nos installations, à l'aqueduc, tout ça. Et aussi, il y aurait des risques quand même sur l'aspect sécuritaire. Donc, on s'est refusé. J'en fais la proposition. Merci. Je vais appuyer. Merci. Je voulais juste souligner que ce bâtiment-là a quand même un grand stationnement. Là. Les gens peuvent stationner à côté du bâtiment. Là. C'est juste que ça allait plus vite de se mettre devant la porte en avant. Voilà. Alors, main levée sur un droit de résolution au 164 rue Drummond. Traduction, Maître Préfontaine. Oui, M. le maire. En fait, la Ville avait vendu une partie de l'eau à Mme Michèle Sévigny. Et puis, dans l'acte de vente, il y avait un droit de résolution afin de garantir une construction dans les 3 ans de l'acte de vente. Ça a été construit 3 ans après, en 2005. Mais quand on regarde au registre foncier où il y a toutes les transactions immobilières, on voit encore le droit de résolution de la Ville. Donc, maintenant, Mme Sévigny désire vendre la propriété. Donc, il faut demander à un notaire de radier le droit de résolution de la Ville pour qu'elle puisse procéder à la vente de sa maison. Merci beaucoup, Maître Préfontaine. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Je le propose. Merci beaucoup. J'ai un appui. Je vais appuyer. Merci beaucoup, M. Rabillard. Maintenant, nous allons dans loisirs, sports, culture et vie communautaire. À 6.4.1, il s'agit de la nomination des membres du comité de sélection pour l'acquisition et l'installation d'une œuvre d'art de l'artiste Pierre Donegan. Madame Mayotte veut se retirer pour ce point. Pierre Donegan était son mari. Donc, j'enchaîne. Un moment, M. Bilodeau, prenez un respire. J'enchaînerai. Donc, la Ville, pour chacune des œuvres d'art, lorsqu'il y a un don, la Ville doit créer un comité. Ce comité-là se penche sur la valeur artistique de l'œuvre. Donc, il y a réellement une vingtaine de points. Donc, on doit former un comité de quoi? Donc, dans ce cas-ci, c'est Mme Christine Rossignol, agente de développement culturel et vie communautaire, Mme Nathalie L'Espérance, responsable de la bibliothèque, Mme Caroline Couture, coordinatrice culture et vie communautaire, et moi-même. Mais ici, c'est qu'on
Dans ce cas-ci, naturellement, je pense que... Regardez à l'écran l'image qui est superbe. C'est une photographie de Pierre Donegan dans le cadre d'une activité culturelle que la ville avait créée, c'est-à-dire Bromont Art Public. Le nom de l'œuvre, c'est Héritage Quinlan. Donc, je suppose que c'est la grange de Mme Quinlan. Donc, c'est réellement superbe. Et pour revenir réellement, c'est que ce don-là est particulier quoi, pour moi, puis je pense pour l'ensemble du conseil de ville, c'est que Pierre Donegan a toujours été un artiste très impliqué à Bromont. Et j'ai eu l'occasion, l'honneur, même le plaisir de travailler avec lui lors de Bromont Art Public, lorsqu'il y avait des rencontres avec les plus jeunes photographes. Et il était le sage parmi ces jeunes-là pour leur indiquer, donner. Bref, c'est un vrai mentor. Donc, c'est avec plaisir que je propose la formation de ce comité, M. le maire. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup, Mme Corbeil. On peut demander à Mme Mayotte de revenir, s'il vous plaît. Sécurité publique, nous n'avons rien ce soir. On va aller au greffe et affaires juridiques. Donc, il s'agit ici de l'octroi du contrat de fourniture de sulfate ferrique pour la station d'épuration de la ville de Bromont. M. Bilodeau. Bien sûr. Donc, on doit procéder à l'achat de ferrite. À quoi ça sert, la ferrite, au niveau de l'usine d'épuration? Donc, c'est pour stabiliser ou... est-ce que vous pouvez l'expliquer à quoi ça sert exactement? Ça sert à décanter les matières en suspension. Mais c'est tellement bien dit. Donc, c'est de procéder à l'achat de ferrite pour la station d'épuration de la ville de Bromont au plus bas soumissionnaire, conforme selon l'option 1. Il y avait trois options. Donc, pour la somme de 32 940 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. Et je l'appuie. Vous savez, M. Bilodeau, j'en prends des fois pour décanter, moi aussi, ça fonctionne. Bon, à 6.6.2, c'est l'octroi du contrat de réparation du corridor souterrain de la centrale de traitement des eaux. M. Robillard. D'octroyer le contrat de réparation du corridor souterrain de la centrale de traitement des eaux au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cimotas Incorporé, pour la somme de 28 500 $ taxes applicables en sus. Le tout selon le bordereau de quantité approximative soumis. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci. 6.6.3 maintenant. Autorisation du paiement de l'avenant supplémentaire au contrat initial à construction Richelieu pour la réalisation des travaux de restauration, mise à niveau et agrandissement du centre culturel Saint-Jean. M. Bilodeau. Donc, c'est avenant-là, et particulièrement, c'est qu'on doit, l'ascenseur, on devait modifier une des poutres à l'intérieur. Et donc, le montant demandé est de 35 370 $ et 73 sous plus les taxes. Donc, j'en fais la proposition. Oui, et j'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. À 6.6.4, c'est l'annulation du processus d'appel d'offres pour l'achat d'une génératrice et d'un inverseur pour le carrefour Champagne, M. Robillard. Il n'y a aucune entreprise qui a déposé de soumission donc à la date et à l'heure prévue à l'offre de l'appel. Donc, j'en fais la proposition. On n'a pas eu de... On va se reprendre. On va se reprendre, exactement. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie, M. Merci, Merci, Mme Mayotte. 6.6.5, maintenant, c'est application des règlements d'urbanisme. Bon, en fait, ici, c'est que on demande d'autoriser M. Alexandre Henry, fonctionnaire désigné, à appliquer les règlements d'urbanisme. On a dû aller en impartition parce qu'on a un manque de personnel à l'urbanisme. Il y a des gens qui sont malades. Donc, on doit passer par résolution pour lui permettre de faire appliquer les règlements d'urbanisme. C'est simplement ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je le propose. Oui, Merci, j'ai un appui. Oui, je l'appuie. Ah, mon Dieu, ça t'a en cœur, en plus, à chaque bout de la table. T'es en stéréo. Bon. Oui, merci. 6.6.6, application du règlement numéro 1104-2021 relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. En fait, on doit, dans le règlement, nommer les personnes qui peuvent faire... appliquer les règlements en matière de collecte, de gestion de matières résiduelles. Là, c'est une formalité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Oui, M. Maj, je vais l'appuyer. Merci, j'ai un appui. Merci. Oh, OK. Oups, ça va? OK. Bon, OK. Good. C'est une première, Mme Corbeil.
Hein? On va en faire plusieurs dans 4 ans, là, ça va bien aller. OK, 6.6.7 maintenant. Autorisation de signature pour une convention de dépôt d'archives en remplacement des donations d'archives à la Société d'histoire de la Haute-Yamaska. Alors, c'est quoi ça, signature d'une convention de dépôt plutôt que d'une donation? Madame la greffière va nous démêler tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais seulement on avait autorisé le don d'archives de la ville de Bromont à la Société d'histoire de la Haute-Yamaska par la résolution 2021-08-536 et 2021-09-641. On a eu un avis là, de l'archiviste coordonnateur de la BANQ qui nous recommandait plutôt de faire un dépôt plutôt qu'un don d'archives. Alors, on va changer l'acte, on va faire un dépôt d'archives et les archives vont être déposées quand même là, à la Société d'histoire de la Haute-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Et j'aimerais aussi rajouter, j'ai eu l'occasion de lire quand même ces procès-verbaux de Wes Schiffer de l'époque. Donc, c'est très intéressant. On apprend qu'à une certaine époque, entretenir les rues de Bromont coûtait 79 $. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et puis, je suis réellement heureux que ce ne soit pas juste un document qu'on conserve, mais aussi c'est que ça fait réellement partie de notre patrimoine. Donc, je le propose. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que j'ai un appui? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Bilodeau, vous tournez le fer dans la plaie. Hein? Bon, je vais vous dire une chose. C'est plus ça que ça coûte. Et ça, c'est quand on trouve des gens pour le faire. Donc, urbanisme, planification et développement durable à 6.7, c'est le dépôt de la liste des permis de construction. Je n'ai pas le document avec moi. OK, on l'a là, je le vois. Les lorgnons. Alors, nombre de permis émis, c'était 87 pour 7 logements créés, donc une valeur de travaux de 5 692 532. Des résidences de nouveaux bâtiments, il y en a pour 3 370 000. Résidences, agrandissement, rénovation et autres, 1 494 000. À l'agricole, 400. Au commercial, industriel, on était pas industriel, mais institutionnel, on était à 820 000. Et l'industriel, de quoi je vous parlais tantôt dans le parc scientifique, que c'est le temps que ça se construise, 7 000 $. Ça ne va pas être un gros bâtiment. Alors, voilà. Alors, ça, c'était pour le dépôt. 6.7.2, adoption du procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme du 2 novembre 2021. Monsieur Lapensée. Oui, M. le maire, dans un premier temps, je propose l'adoption de ce procès-verbal-là. Merci, j'ai un appui. Et j'ai de l'appui. Parfait. Nous sommes maintenant rendus au point d'urbanisme, donc de 6.7.3 à 6.7.22. Et je vais donner la parole à M. Bilodeau. Non, à M. Lapensée. Ouf! T'as eu peur, Michel? Vous avez eu peur, vous, là, hein? C'est le prochain. Le prochain, okay. Je vais en avoir possible. D'accord. Alors, M. Lapensée, la parole est à vous. Oui. 6.7.3, donc c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée implantée à 20 mètres de l'emprise d'une voie ferrée existante au lieu de 30 mètres minimum, tel que stipulé à l'article 84 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 420 chemin de Lotbinière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour cette dérogation? Madame... pas plus par courriel. Parfait. Donc, attendu que le projet pourrait être modifié afin d'être conforme au règlement de zonage, attendu que le boisé que le requérant souhaite préserver en bordure du chemin Lotbinière n'est pas une forêt ancienne qui mérite une protection particulière, attendu que l'application de cette norme ne cause pas un préjudice sérieux au requérant, il est proposé de refuser la demande. 6.7.4, c'est l'approbation de plan, donc c'est une demande qui vise la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 420 chemin Lotbinière, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, il est proposé d'accepter cette demande, évidemment, en tenant compte du premier refus au 6.7.3. Et 6.7.5, c'est la suite de cette demande-là, c'est le garage qui accompagne la demande. Il est également proposé d'accepter
cette demande. 6.7.6, c'est une demande visant un lotissement à des fins résidentielles au, au 156 rue Stansted. Il est proposé d'accepter cette demande. Au 6.7.7, c'est une demande visant la modification d'un PIA déjà approuvé au 25 rue Georges-Adam. Donc, il est également proposé d'accepter cette demande. Au 6.7.8, c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans une zone de contrainte sonore identifiée sur le plan de l'annexe B du règlement de zonage numéro 1037-2017, malgré l'interdiction prévue à l'article 83 du ledit règlement au 128 rue des Moulins, c'est dans le district Adamsville. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour cette dérogation? Non. Attendu qu'une étude d'impact sonore a été préparée par la firme Vinacoustique afin d'évaluer le climat sonore existant du futur site du projet résidentiel au long de la route 139. Attendu que des mesures de mitigation ont été étudiées et recommandées à la section 5 du rapport d'impact sonore afin de respecter les niveaux sonores selon les critères applicables. Attendu que le Conseil constate que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est proposé d'accepter la demande afin visant à permettre la construction de cette résidence et d'obliger le demandeur de procéder à la construction des dispositifs de réduction du bruit en milieu intérieur qui répondent aux besoins du projet immobilier tel qu'indiqué à la section 5 du rapport d'impact sonore. 6.7.9, c'est une demande visant à autoriser l'usage d'hébergement léger au deuxième étage d'un immeuble au 602 rue Shefford. Donc, c'est l'immeuble qui est juste à côté de la caisse et en face de la nouvelle place publique. Donc, attendu que le Conseil considère que cette demande répond aux critères et objectifs du règlement relatif aux usages conditionnels, attendu que la forme et l'architecture du bâtiment existant ne seront pas modifiées pour accueillir ce nouvel usage, il est proposé d'accepter la demande d'usage conditionnel et de rappeler au requérant que l'aménagement du logement doit être validé par un architecte et conforme au règlement de construction 1042-2017. Fait qu'ici, évidemment, on parle d'hébergement à court terme qui peut avoir lieu, un peu comme on retrouve maintenant en haut de l'étrier, en haut du restaurant l'étrier. 6.7.10. Donc, c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une enceinte murale ayant une superficie de 450 mètres carrés et une enceinte détachée ayant une superficie de 3,10 mètres carrés au lieu de 2 mètres carrés maximum, tel que stipulé aux articles 139 et 140 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 162 rue d'Adamsville. Donc, attendu que cette demande vise le remplacement des enceintes existantes, attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, il est proposé d'accepter la demande visant à permettre l'aménagement d'une enceinte murale ayant une superficie de 450 mètres et une enceinte détachée ayant une superficie de 3,10 mètres au lieu de 2 mètres carrés, tel que stipulé au règlement de zonage 1037-2017. Au point 6.7.11, c'est la suite. Donc, c'est la suite de la demande précédente. Donc, c'est une demande visant l'aménagement de deux enceintes au 162 rue d'Adamsville. Donc, attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, les enceintes doivent avoir des dimensions et une localisation
qui ne compromettent pas les éléments architecturaux d'intérêt, les perspectives visuelles d'intérêt sur un bâtiment ou un paysage, attendu que le Conseil considère que pour mieux répondre à ce critère, le demandeur devrait étudier la possibilité de revoir le projet d'enseigne afin de mieux balancer les différents éléments graphiques visant l'espace d'affichage. Donc, il est proposé d'accepter, conformément au règlement relatif au plan d'implantation, des plans d'enseigne préparés par Enseigne Média Module datés du 6 octobre 2021 et de permettre l'aménagement de deux enseignes au 162 rue Adams-Vey conditionnement au respect du point suivant visant l'inscription de l'enseigne. Donc, l'enseigne sur poteau que vous voyez, la portion indiquant « bumper to bumper » autoservice doit occuper au maximum le tiers de l'espace d'affichage. Donc, il va y avoir une demande pour, au niveau du bâtiment comme tel, au niveau de l'application qu'on a vue tantôt, il n'y a pas de problème. Au niveau du panneau, on demande de réduire le visuel de « bumper to bumper ». 6.7.12, c'est une demande visant tout simplement la modification de l'apparence extérieure du bâtiment au 140 rue d'Adamsville. Donc, il est proposé d'accepter cette demande. Au point 6.7.13, c'est un usage conditionnel, c'est une demande visant à autoriser l'usage d'habitations trifamiliales isolées au 13 rue Brousseau, lot 298-501. Je pense que Mme Préfontaine, il y a quelqu'un dans la salle pour cette demande-là, concernant cet usage-là. Oui, bonjour. Mon nom est Michel Hébert. Je suis propriétaire du... Monsieur Hébert, je pense que pour parler, il peut enlever son masque ou il doit le garder, Maître Préfontaine. Je peux l'enlever si ça ne vous incommode pas. On est correct, on entend bien. Oui? Vous préférez que je le mette de côté? Non, c'est bon. Je vais l'éteindre. Alors, vous voulez me répéter votre nom, s'il vous plaît? Oui, certainement. Mon nom est Michel Hébert, puis oui. Je suis propriétaire du 12 rue Brousseau. C'est concernant la demande d'usage conditionnel pour une maison trifamiliale sur un terrain, en fait, qui ne rencontre pas les normes, même pour une maison unifamiliale, selon les règlements d'aujourd'hui. Je comprends que je ne suis pas contre le développement économique de Bromont ou ces choses-là, mais je trouve que la ville s'est dotée de... La ville s'est dotée d'un système d'autorégulation pour protéger le paysage villageois puis campagnard d'Adamsville, entre autres. Et puis, en fait, si on construit, j'étais allé voir les normes, trois familles, ça veut dire à peu près une possibilité de 6 voitures. Il y a une voiture 0.8 par famille normalement au Québec. Et puis, ça veut dire une possibilité de 6 voitures. D'après les normes de grandeur pour les stationnements, plus le bâtiment, si on rajoute les galeries, les dépendances, les cabanons ou ces choses-là, ça fait au-dessus de plus que la moitié du terrain occupé pour... ça, c'est-à-dire que le drainage naturel est quasiment inexistant. Ça ne rencontre pas les... en fait, c'est marqué aussi l'organisation exemplaire du stationnement. L'aménagement extérieur qui favorise l'accroissement de la végétation, ça, c'est dans les normes de Bromont. Et puis le drainage naturel que j'ai dit, excusez, si je me répète, je suis un peu nerveux, je ne suis pas habitué avec les conseils. Monsieur Hébert. Oui, Robert. Monsieur Hébert, premièrement, je veux vous féliciter, peu importe ce qui sort de là, que des citoyens viennent ici et prennent le temps de s'exprimer, nous, on vous respecte. Alors, vous pouvez être nerveux, vous pouvez prendre votre temps, on vous écoute.
Merci. Fait que, ben, c'est ça, c'est en trop, en gros, qu'est-ce que je voulais dire là, pour protéger aussi la qualité de vie des citoyens de Bromont. J'ai fait signer une pétition. En fait, le terrain, il ne rencontre pas le frontage, il ne rencontre pas la profondeur sur un côté, le côté où il y a un écoulement d'eau. Je pense qu'il y a une servitude là, que la ville a. Ou je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas. Puis il ne rencontre pas non plus le pied carré pour un deux logements ou un trois logements. Fait que j'ai fait signer une pétition. C'est pas mal dernière minute, mais j'ai quand même 16 noms. C'est tous des noms qui sont alentour. Ça ne me donne rien de faire signer, faire du porte-à-porte plus loin parce que ça les concerne plus ou moins. J'ai 16 noms, dont, entre autres, Mme Laura Goudreau, ça fait 46 ans qu'elle demeure à Adamsville. Puis j'ai des gens de 30 ans qui ne comprennent pas non plus, nécessairement l'implantation d'un trilogie. Là. Okay. C'est bon, mais vous pouvez laisser la pétition à notre greffière. Je vais déposer à Mme... Bien, merci d'avoir écouté. Monsieur Hébert, je vous remercie. Je vais vous dire, j'étais un peu surpris, là, parce que ce que j'entends, c'est qu'on est en train de... Je ne sais pas quelle est la conclusion du CCU là-dessus, là, mais si c'est d'accepter ça, ce que vous me dites, dans le fond, c'est qu'on va contre notre règlement. Là, moi, j'aimerais adresser à M. Sévigny, notre directeur général, est-ce que dans ce que M. Hébert vient d'affirmer, c'est ça, c'est pas ça, y a-t-il des nuances? J'aimerais qu'on comprenne peut-être un peu plus, là. Ce point-là, M. Sévigny, je vous donne la parole. Ben, brûle pour point, M. le maire. Ce que je vois de ce que le CCU a mentionné, c'est qu'on voyait d'un bon œil la construction d'un édifice de trois logements près de l'école. Mais moi, je pense que si, par prudence, ça vaut peut-être la peine de reporter puis de faire l'analyse réglementaire pour s'assurer de voir si les normes ont vraiment un problématique. Je suis allé voir au moment où M. Hébert faisait l'état de sa problématique et le terrain est de moins de 7000 pieds carrés. Donc, c'est pas un très gros terrain. Trois logements, les cases de stationnement, effectivement, je pense que ça vaut la peine de non, faire je suis bien. Vous n'êtes pas venu pour rien, M. Hébert, là? Non. Vous n'êtes pas venu pour rien? Non, je pense que... Bon. Alors, OK. Je veux juste faire réfléchir concernant ça. Le terrain est 665 mètres carrés. Puis la norme pour une maison unifamiliale, c'est 1000 mètres carrés dans ce milieu villageois et campagnard-là Si vous comprenez bien, on va retirer ça ce soir, puis on va revenir sur ce point-là. On va demander à l'administration de faire le tour. Madame la greffière, vous vouliez ajouter... Vous êtes en train de me dire que je ne peux pas faire ça. Non, on va le reporter si ça ne vous dérange pas. Ouais, reporter à la séance du 6 décembre. Parfait, on va le reporter. Merci. Alors voilà. Merci beaucoup d'être venu, M. Hébert. Merci d'avoir fait vos recherches. Ça peut arriver des fois qu'on échappe, hein? Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. OK. Ah. M. Hébert, si vous me permettez. Oui. C'est qu'on fait ça, ce genre de demande-là. C'est bon que le public. Prennent connaissance qu'on ne cache pas l'information parce qu'on va mettre une affiche sur... J'habite au 12 ans, et j'ai reçu qu'il y avait une vente, donc j'avais prévenu le propriétaire. Mm-hmm. Par cette affiche que vous avez mise, on était, le voisinage était au courant de ce qui se passait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on le fait, c'est fait en toute transparence pour aviser les gens. Alors, voilà. Merci. Donc, le point est reporté. Monsieur, vous avez pris une petite pause, là, monsieur Lapassé. Oui, on va vous laisser continuer. Hein? Juste une question pour madame la greffière. Est-ce que monsieur Hébert devrait remettre sa pétition avec le libellé de sa pétition? J'ai la pétition ici. Déjà? Oui. Parfait. Merci. Okay, elle va être consignée au procès-verbal. Je voulais juste ajouter avec le point dont M. Éric Sévigny a mentionné, c'est qu'avant tout, les dossiers d'usage conditionnel ou de dérogation mineure, on fait aussi un avis public avec un visuel qui est sur le site Internet.
Donc, il y a l'affiche qui est mise devant le bâtiment, mais en plus, on a un avis public avec un visuel. Donc. Parfait. Merci beaucoup, Maître Préfontaine. Encore une fois, merci, M. Hébert. À 6.7.14 maintenant. C'était la suite. C'était la suite, donc ça aussi, c'est reporté, les deux points. Les deux points sont reportés. C'était l'architecture. C'était l'architecture, mais je pense qu'on va commencer par vérifier si on peut mettre cette architecture-là sur le terrain. Donc, 6.7.15, donc c'est une demande visant l'aménagement de deux enceintes détachées Imeral au 20 chemin Compton. Donc, on parle ici de l'école Montessori qui veulent rafraîchir leur enceinte. Donc, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.16, c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 85 rue de la Couronne. Et il est proposé d'accepter cette demande. Au 6.7.17, c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 399 chemin de Brome. Ici, on parle d'une résidence qui va obliger la démolition de celle qui est déjà existante. Donc, à partir du moment que c'est accepté ce soir, donc il est recommandé d'accepter cette construction-là. Et par après, il y aura une demande au comité de démolition pour être capable de remplacer la maison existante. 6.7.18, c'est une demande visant la rénovation d'un bâtiment au 671 rue Shefford. On parle ici du restaurant La Pérousse. Donc, attendu que le requérant souhaite refaire le vêtement extérieur de son établissement en clin d'acier modèle troussé d'or blanc, attendu qu'un clin de bois ne peut être posé sur le mur latéral droit du bâtiment car il est trop près de la ligne latérale de l'eau et qu'un revêtement incombustible est requis selon le code du bâtiment, attendu que le conseil considère que le revêtement devrait être identique pour l'ensemble du bâtiment, attendu que le requérant ne souhaite pas ajouter de planches cornières ni de jambages de fenêtres dans son projet de rénovation, attendu que le conseil considère que toute intervention sur un bâtiment d'intérêt patrimonial devrait favoriser la préservation ou un retour aux caractéristiques d'origine, attendu que selon l'avis patrimonial de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Bromont, pour retourner plutôt aux caractéristiques d'origine, des chambranles, des planches cornières devraient être ajoutées au bâtiment, attendu qu'un plan détaillé des modifications apportées au bâtiment est nécessaire pour bien évaluer l'ensemble du projet. Il est proposé de refuser, conformément au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les documents déposés en soutien à la demande permettant la rénovation d'un bâtiment au 671 et d'aviser le requérant que le conseil est favorable au clin d'acier imitant le clin de bois d'origine, mais que le détail architectural en bois devrait être revu en s'inspirant du guide intitulé « Ville de Bromont, zone patrimoniale de la rue Shefford, charte de couleurs et détails architecturaux, atelier A Bellavant Inc. » en annexe B du règlement relatif au PIA et de vérifier si, suite à cette exigence-là, le requérant serait admissible à une subvention dans le cadre de nos subventions patrimoniales. Donc, il est proposé de refuser cette demande. 6.7.19, c'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'un talus ayant une hauteur de 2 mètres au lieu de 0,6 mètres, tel que stipulé à l'article 176 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 138 rue des Irlandais, lot 2930-697 dans le district du lac Bromont. Est-ce que quelqu'un dans la salle pour cette dérogation? Non? Donc, attendu que cette demande vise la création d'un plateau afin d'y aménager une piscine creusée, attendu que le conseil considère qu'il s'agit du seul emplacement raisonnable en fonction de la topographie du terrain, attendu que la piscine projetée sera à plus de 40 mètres de la voie publique et située à l'arrière de la résidence, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance
par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.20. C'est une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un mur de soutènement à 0,0 m de la limite de propriété au lieu de 0,5 m minimum et la construction d'un bâtiment accessoire situé à 0,59 m de la ligne latérale gauche au lieu de 0,9 m, le tout tel que stipulé respectivement aux articles 178 et 106 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 178 rue du Saguenay. Est-ce que quelqu'un dans la salle pour ce point? Non? Donc, entendu qu'une mésentente est survenue entre le demandeur et les propriétaires du lot voisin quant à l'emplacement du mur de soutènement, attendu que l'application de la norme visant la construction d'un mur de soutènement cause un préjudice au requérant, attendu que la propriété est mise en vente et qu'un certificat de localisation fut préparé, attendu que le plan de localisation daté du 27 septembre 2021 sous la minute 81-58 indique que l'implantation de la remise n'est pas conforme, attendu que le conseil considère qu'il est possible de respecter la réglementation municipale en déplaçant la remise afin de respecter la marge latérale de 0,9 m. Il est proposé d'accepter la demande visant à permettre la construction d'un mur de soutènement à 0 m de la limite de propriété au lieu de 0,5 m minimum, parce qu'il y a eu une entente entre les deux propriétaires, et de refuser l'implantation du bâtiment accessoire à 0,59 m au lieu du 0,9 m. Réglementaire. Donc, on est rendu au point 6.7.21. C'est une modification d'un PIA approuvé visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 270 chemin de Missisquoi. Donc, l'espace qui était supposé être au deuxième, troisième étage, je ne sais pas où on est rendu, il a été transféré à la droite. Donc, c'est la même superficie, mais avec un nouveau visuel. Donc, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.22, c'est une demande d'avis préliminaire visant l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée avec un usage additionnel garde de chevaux, incluant écurie et pâturage, au 859 chemin du lac Gale. Attendu que les futurs acheteurs du lot, 4 317 857 au 859 chemin du lac Gale, souhaitent, dans le cadre du processus de planification de leur future résidence, obtenir un avis préliminaire du conseil municipal sur le programme de développement qu'ils souhaitent mettre de l'avant. Attendu que le projet consiste en la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'environ 300 mètres carrés, d'une petite écurie pour deux chevaux et de l'aménagement d'un pâturage. Attendu que le projet prévoit la préservation d'un petit milieu humide dont la formation résulterait du mauvais entretien d'un fossé. Attendu qu'un plan projet d'implantation a été présenté et montre les emplacements prévus pour la résidence, l'écurie et le pâturage. Il est proposé d'aviser le requérant que le conseil est en principe favorable au plan d'implantation projeté, ainsi qu'à l'usage additionnel de garde de chevaux au 859 chemin du lac Gale. Cet avis préliminaire n'engage pas le conseil à accepter toute demande de PIA subséquente qui sera assujettie au processus d'évaluation par le comité consultatif d'urbanisme et une approbation du conseil. Et voilà, c'est tout, monsieur le maire. Oui, j'ai fait la proposition, j'imagine. Vraiment, je propose tous ces points-là. J'imagine. Et moi, je vais l'appuyer, mais je voudrais prendre la peine de féliciter M. Lapensé d'avoir fait 25 points sans même boire une gorgée d'eau. Là. Quand même, il faut le souligner. Donc, vous avez bu avant. J'appuie. Merci. Merci beaucoup.
6.7.23, maintenant, c'est une contribution pour fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel pour l'opération cadastrale visant à subdiviser le lot 3 346 684 afin de créer les lots 6 300 555 et 6 300 566 sur la rue Stansted, M. Lapassé. Oui. Attendu, j'ai pris ma gorgée d'eau, Michel. Vous avez pris votre gorgée d'eau. Attendu qu'une demande de permis de lotissement a été reçue afin de subdiviser le lot 3 346 684 rue Stansted. Attendu qu'il n'est pas opportun pour la ville de conserver, vous savez, dès qu'un lotissement de terrain, la ville est en droit d'exiger un 10 % de remise de terrain autre que les milieux humides, ou d'aller vers une valeur monétaire. Donc, qu'il n'est pas opportun pour la ville de conserver une partie de terrain pour des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel à cet endroit, attendu qu'en vertu de l'article 50 du règlement de lotissement 1038-2017, le conseil municipal peut exiger que le propriétaire du terrain verse une somme égale à 10 % de la valeur du site, attendu que la valeur du site sera calculée conformément à l'article 52 du règlement de lotissement 1038-2017. Il est proposé d'exiger comme contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel pour l'opération cadastrale visant à subdiviser ce lot un montant équivalent à 10 % de la valeur du site. Et tout cet argent-là, lorsqu'on fait le budget, on a un fonds de parc. Donc, on peut l'utiliser justement pour un parc dans un autre quartier ou peu importe. Là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, j'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.7.24, contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel. Ici, c'est dans le cas du projet résidentiel Aube à Bromont, sur la rue des Galets. Madame Mayotte. Oui, alors ici, le projet Aube, rue des Galets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la continuité de la rue Schaeffer, dont traverse Pierre Laporte. Et de l'autre côté, c'est une rue qui n'existe pas encore. Mais il y a un développement immobilier qui va être là, assez intéressant. Alors, dans le cas précédent, on a préféré avoir une contribution financière. Ici, ça a déjà été accepté au conseil précédent du 4 octobre de déterminer là, la contribution de fin de parc. Par contre, il manquait une partie. Alors, ce que les promoteurs souhaitent, c'est acquérir une partie du lot 6 335 619 d'une superficie de 2 167 mètres carrés, et pour en faire un sentier qui permettrait d'aller rejoindre, il va manquer un autre bout qu'on va pouvoir regarder, mais pour ceux qui connaissent un peu les sentiers de Bromont, le long de la rivière Yamaska, il y a un beau sentier qui va rejoindre la rue Cove-Doc. Alors, à partir de Home, il y aurait moyen aussi d'aller rejoindre, il faut traverser la voie ferrée, là, mais il y aurait possibilité là, d'aller traverser. Alors, avant d'acheter la partie de terrain, les promoteurs souhaitent savoir si ce terrain pourrait être considéré dans le calcul de la superficie de terrain à céder à la ville de Bromont pour fin de parc. Et avec cette superficie, celle qu'on a déjà acceptée en octobre, la contribution en terrain représenterait 9,5 % de la superficie du site. Alors, pour le solde de 0,5 %, ce serait une valeur en contribution monétaire. Alors, il est recommandé d'aviser le requérant que le conseil municipal est favorable à l'acquisition de cette partie de lot pour aménager un sentier qui relierait, comme je disais, au sentier près de la rivière Yamaska et de mentionner au requérant que cette superficie de terrain peut être incluse dans le calcul de la contribution de fin de parc, ce qui est une très bonne nouvelle. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Corbeil. À 6.7.25, maintenant, c'est un programme de reboisement social. Une entente cadre avec Arbre Évolution. Je pense qu'il s'agit d'un projet très structurant et porteur, Mme Mayotte. Oui, tout à fait. Alors, Arbre Évolution, ça fait quelques fois qu'on travaille avec eux depuis cet été. C'est très intéressant. C'est une coopérative de solidarité qui offre un service de compensation carbone par des activités communautaires de plantation d'arbres. Par exemple, il y avait eu un sentier nourricier au Parc des Chevreuils qui avait eu lieu avec eux également plutôt au printemps ou à l'été. Alors, ils ont un programme de reboisement social qui met sur pied des projets de plantation d'arbres dans des communautés afin de réduire l'empreinte écologique. Et ils avaient un programme particulier pour planter 400 arbres au domaine naturel du lac Gale. Alors, ceux qui connaissent le coin,
Vous pouvez aller voir, les arbres sont déjà là. Ça a eu lieu il y a un mois ou deux environ, mais l'entente n'avait pas encore été signée. Alors, le projet avait été sélectionné par Arbre Évolution. Plusieurs sites avaient été proposés là, par concertation avec différents services de la ville. Une acceptation de conservation de la nature Canada, CNC. C'est à eux là, que c'est un site qui est en conservation. Alors, pour pouvoir procéder à cette plantation, ça prenait leur approbation pour le Fonds servant de servitude de conservation, ce qui a eu lieu. Il y a eu différents partenaires aussi là, qui ont été impliqués dans le don, parce que c'est quand même dispendieux, là, planter les 400 arbres. Et il y a un donateur, et qu'on ne connaît pas le nom, mais également la galerie Arteria, là, qui a été très collaboratrice dans les différents projets. Alors, on les remercie. Et c'est un processus qui est vraiment sérieux. Et on veut s'assurer qu'une fois que c'est reboisé, qu'on va en prendre soin. Alors, les services de la ville a un espace reboisé qui sera préservé pour une durée de minimale de 50 ans et que les arbres pourront y grandir en toute sécurité. Alors, je fais la proposition, M. le maire, que vous puissiez, vous de même que M. le directeur général, signer au nom de la ville, de Bromont, l'entente cadre pour la plantation des 400 arbres au domaine naturel du lac Gale. J'en fais la proposition. Merci, j'ai un appui. J'appuie. Merci, ça va me faire plaisir de signer, Mme Mayotte. 6.8, développement économique, on n'a pas de point ce soir. Même chose en direction générale, nous allons à 6.10, aux ressources humaines. On va traiter, si vous voulez bien, les 6.10.1.2.3.4 en bloc. Donc, 6.10.1, il s'agit de la nomination au poste de conseiller en ressources humaines, M. François Trudel. Point 2, c'est nomination au poste de chauffeur journalier. Monsieur Jonathan Arsenault, nomination au poste de secrétaire au service technique, Madame Suzanne Breton, et finalement, nomination au poste de secrétaire au service des incendies, Madame Marie-Ève Pelletier-Lafrance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ces points? Oui, je vais proposer, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Maintenant, dépôt, documents et correspondance. Oui. Oui, ça me prend un appui, c'est vrai. Merci beaucoup. C'est le temps qu'on finisse. Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Oh, ça y est. Alors, merci, Mme Mayotte, de me garder alerte. Dépôt et documents et correspondance. À 7.1, c'est divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, vous le savez. On doit faire ça, c'est la loi. Donc, chaque membre du conseil municipal a déposé, Mme la greffière, ses intérêts pécuniaires, que ce soit en immobilier, dans les entreprises et tout ça. Affaire nouvelle maintenant, on avait 8.1, c'est correction de la programmation de travaux partiels pour le programme de la TEC 2019-2023. Je vais demander des explications à M. Sévigny, s'il vous plaît. En fait, la TEC, c'est la taxe sur l'essence, contribution du Québec. C'est un programme de subvention qui reconnaît un montant par capita, qui nécessite que la ville investisse aussi sa juste part dans ce programme-là. Et le ministère nous a demandé de réviser notre programmation. Donc, il y a un retrait temporaire d'un des projets parce qu'il y a différent par rapport à l'admissibilité ou pas de ce projet-là. Alors, on doit réadopter une nouvelle programmation. Donc, c'est l'objet ce soir. Merci, M. Sévigny. Est-ce que j'ai une proposition et un appui? Oui, je le propose, M. le maire. J'ai un appui. Je vais appuyer. Parfait, merci. 8.2 maintenant. Autorisation du paiement de l'avenant supplémentaire au contrat initial à Comco, entrepreneur en bâtiment, pour la construction du pavillon d'accueil et de ses infrastructures. Monsieur Sévigny, s'il vous plaît, quelques explications. Oui, ça, c'est... C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais au niveau financier, vous savez, quand on fait des demandes au ministère de l'Environnement, on soumet nos documents, puis on sait pas à quel moment l'approbation va arriver. Dans ce processus-là, c'est pour les installations septiques du pavillon d'accueil du Parc des Sommets sur le chemin de carrière. Donc, on avait fait une demande au ministère pour une filière de traitement X, puis durant le traitement de la demande, qui a pris tout près d'une année avant d'aboutir, une année, le filière de traitement a grossi. On nous a demandé des équipements beaucoup plus gros et ça occasionne des coûts additionnels de 106 000 $.
Alors, on doit procéder, évidemment, à faire ces travaux si on veut que, l'occupation du pavillon d'accueil puisse se faire. Alors, voici l'objet de cette augmentation de coûts-là. Bon, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer ce point? Je vais te proposer sans enthousiasme, correct? OK. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut l'appuyer sans enthousiasme? Je l'appuie, mais l'enthousiasme, il y en a un, c'est celui, si on pouvait avoir le pavillon d'accueil pour la période des fêtes et l'hiver, je pense que ce serait vraiment apprécié. Alors, je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. Non, ça va être un beau pavillon, ça va être une belle installation, mais vous comprendrez que d'avoir des surprises comme ça, on n'aime jamais ça. C'est pas des affaires plus fun que ça, mettons. Donc, 8.3, dépôt d'une pétition concernant la préservation du couvert végétal dans le projet des nouveaux ateliers municipaux. Donc, j'ai la pétition ici, et je vais lire le libellé. Donc, objet, pétition pour la préservation du couvert végétal dans le projet des nouveaux ateliers municipaux. Monsieur le maire, membre du conseil de la ville de Bromont, nous, les résidents, en annexe 3, vous présentons une pétition relative au projet de construction de nouveaux ateliers municipaux. Voici les motifs de la présente pétition. Réduction d'espaces verts, modification du visuel des secteurs résidentiels, élimination d'une barrière sonore naturelle, élimination d'un écran naturel qui protège contre la poussière, élimination d'arbres et de végétation aidant à l'émission d'oxygène et à combattre les îlots de chaleur. Nous demandons au maire et aux membres du conseil de la ville de Bromont de réviser le projet de construction de nouveaux ateliers municipaux afin de préserver la couverture végétale pour une cohabitation harmonieuse entre les quartiers résidentiels et commerciaux. Eh bien, je pense qu'il y a eu un plan des ateliers municipaux. On appelle ça un plan préliminaire. Ce n'est pas un plan à plan, mais ça donne une idée d'où est-ce que les choses doivent se passer et comment. Une fois qu'on a reçu ces plans-là, le conseil, lui, regarde ça, il se dit, OK, est-ce qu'on va de l'avant avec le projet? Pas nécessairement avec ce qu'il y a sur les feuilles qu'ils nous ont données, mais est-ce que l'ensemble, l'idée, la grandeur, le nombre de pieds carrés, etc., est-ce que ça fait le travail? Une fois que ça est fait, on s'en va en plans et devis. Là, il y a des plans et devis qui vont être soumis au conseil municipal, qu'on n'a pas encore. Ces plans et devis-là vont être réanalysé par les membres du conseil municipal, s'assurer que l'implantation est correcte. Est-ce qu'il y a des modifications qu'on veut apporter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut soustraire? Ça va se faire là. Une fois qu'on aura le final, là, on va inviter les citoyens aussi à venir voir de quoi va avoir l'air le projet. Après ça, on va aller en appel d'offres. Alors, il y a un budget X. Si l'appel d'offres arrive plus haut, bien, il y a encore du questionnement. Donc, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Quoi qu'il en soit, je veux dire aux citoyens que la Ville n'a pas l'intention de toucher au couvert forestier. Fin de la conversation. En plus, il y a des secteurs humides là-dedans. On ne touchera pas à ça. Ça ne fait pas partie du projet. Alors, on reçoit la pétition. Puis c'est le fun, parce que c'est la première fois qu'on a une pétition à Bromont qui est en accord avec ce que la Ville veut faire. Alors, non, mais sérieusement, on ne veut pas couper, ça ne sera pas touché, ça. Alors, on attend de revoir les plans et devis. Le conseil, ça va leur être soumis. Et on verra par la suite comment les choses vont se passer. Le couvert forestier, pas forestier, mais ne sera pas touché. Voilà pour ça. Ensuite de ça, on est à la... Pardon? Oui, il y avait M. Bilodeau, vous vouliez vous exprimer avant que j'aille à la deuxième période de questions. Ça serait gentil. OK. Donc, alors, M. Bilodeau va s'exprimer. Vous savez, M. Villeneuve, comment j'étais heureux lorsque j'ai appris que vous aviez fait des démarches auprès des propriétaires du Blackspit, M. Ouellet et ses associés, de changer le nom, de leur proposer de changer le nom du Blacksmith au Forgeron. Parce que Blacksmith, c'est un forgeron en français, ou encore un maréchal ferrant. Et surtout en particulier, que où se trouve le Blacksmith, c'est sur la rue Legault, où effectivement, il y avait l'ancien forgeron du village. Et puis, il a accepté avec plaisir, donc... Mais j'étais réellement joyeux. Donc, combien de fois je vous ai remercié? À peu près 5-6 fois, hein? À peu près ça. Ben, moi, j'en reviens même pas. OK, vous avez arrêté de compter après 10, hein? Je le sais. Donc... Mais cette joie-là a réellement été de courte durée. J'apprends qu'un autre commerce de Bromont s'affichera de nom avec une bannière en anglais.
comme plusieurs francophones et anglophones du Québec, j'ai décrié le manque de sensibilité du PDG d'Air Canada pour les citoyens du Québec. Cette semaine, certains ont même qualifié ses propos de gifles. De plus en plus de commerces de Bromont s'affichent en anglais sur notre territoire. Une tendance lourde s'installe. Permettre ce type d'affichage en anglais sur le sera plus qu'une gifle sur le visage de Bromont, mais une marque indélébile de notre anglicisation. Comme citoyen, comme élu, je me devais de signaler. Merci. Merci, M. Bilodeau. De mon côté, parce que je pense que la préservation du français, c'est important. En tout cas, moi, ça me touche. Il y a des choses qui ne sont pas de compétences municipales et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise. J'ai bien l'intention à la MRC de demander à ce qu'on, par résolution, qu'on demande au gouvernement du Québec on en parle, là, ils veulent changer la loi sur la protection de la langue française, de faire en sorte que des noms anglophones puissent être écrits en français. On l'a vu avec Staple, qui est devenu Bureau en gros et tout ça. Donc ça, c'est de compétences provinciales, c'est de là que ça doit partir. Alors, je comprends les propos de M. Bilodeau. Mais là, politiquement, le chemin à suivre, c'est de faire des pressions auprès du gouvernement par des résolutions. On va aller de ce côté-là, M. Bilodeau. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième... M. il y a un line-up déjà. OK. À la deux... OK, c'est ici qu'on sort le popcorn. Deuxième période de questions. Alors... Hey, on s'ennuie pas de Zoom, hein? OK, alors allez-y dans l'ordre. OK. J'ai reçu une question par Internet. Ben, allez-y donc, par les Internet. Et Mme Page aussi. Donc, ma question provient de Mme Michèle Champagne de la rue des Patriotes. Oui. En vue du prochain budget, serait-il envisageable d'inclure un budget participatif citoyen pour des projets en environnement comme l'a fait Granby, qui accorde une somme de 25 000 $ permettant aux citoyens de présenter des projets et à la Ville de les réaliser suite au vote des citoyens pour le meilleur projet. Quelle bonne idée, Mme Champagne. C'est déjà à l'ordre du jour pour les discussions pour le prochain budget. Avons-nous une autre question? Question de M. André Godet, mais je crois qu'il va venir se présenter au micro. Et puis, il y a Mme Page qui a reçu une question par... l'entremise de Facebook Live. Bon, OK. On a une question qui a été envoyée de la part de Mme Catherine Bonneau de la rue Champlain. Et la question se dit comme si, espérant que les nouvelles couleurs du Conseil aient à cœur, comme premier mandat, de régler les conventions collectives de vos employés, dédiés qui font la réussite de cette ville depuis bien des années, inspirez-vous de votre slogan « Bromont inspire l'action et avancez ». J'aimerais savoir quelle est la vision, orientation du Conseil à ce sujet pour début 2022. Je peux peut-être... Mais moi, j'aimerais vous répondre parce que c'est l'administration qui négocie avec nos employés. Et là, la question, je ne la comprends pas vraiment. Sans négocier, bon, c'est quelqu'un qui a à cœur les conditions de travail des employés de la Ville. Puis ça, c'est très bien parce que moi-même, comme directeur général, j'ai à cœur les conditions de travail des employés. Je ne vais quand même pas aller négocier sur la place publique. Par contre, les négociations prennent du temps. Ça a débuté depuis le mois de janvier avec notre syndicat au niveau des Bleus-Blancs, aussi des policiers. Deux conventions collectives qui sont expirées depuis le 31 décembre 2020. Alors, nous, on travaille fort à tenter de trouver un terrain d'entente, puis on espère le plus tôt possible, possiblement à début 2022, on devrait être en mesure de présenter des options au conseil municipal qui va devoir... accepter ou non les propositions d'amélioration de conventions collectives au niveau normatif et aussi au niveau financier. Merci, M. Sévigné. Bonsoir tout le monde, je vais faire ça vite. Votre nom, s'il vous plaît. Marie-André Côté, domiciliant 19 rue d'Iberville, dans le merveilleux secteur du Lac.
C'est une fleur pour madame, une fleur pour madame Mayotte. Ouais, okay. Le plus beau. Alors, bonsoir. Je viens vous parler d'une importante problématique concernant la sécurité et la quiétude des habitants du secteur de la rue d'Iberville. En fait, je viens vous parler des sentiers reliant la B2, la C2 et la C1. Donc, dans un premier temps, la plupart des habitants du secteur constatent que le partage de la route sur notre rue, bicycle, piéton, enfant, voiture, c'est hyper dangereux. Et moi et toute ma famille, on fait du vélo de montagne. Je vais pas parler contre les ceux qui font du vélo, pas du tout, du tout, du tout. Je vais parler de la sécurité sur notre rue, OK? C'est hyper dangereux. Aussi, les week-ends, avec la quantité de bicycles, de randonneurs, de véreux qui ne savent pas trop où tourner, c'est le joyeux bordel. Les voitures slalom, c'est l'enfer. Je demeure face à la B2 et je ne peux pas vous dire le nombre de fois que, genre, j'essaie de lire un livre, genre, n'importe quoi, et je crie « Attention! » parce que je vois le char qui arrive, puis la gang de bicycles qui s'en vient, puis ils s'en viennent super vite pour monter dans la montagne, puis... collision. Alors, je préviens les collisions, mais je ne peux pas être assis tout le temps en avant de chez nous. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment très problématique. Et puis, comme j'ai mentionné, les voitures souvent doivent faire du slalom et ça, ça met certains résidents du quartier en beau Saint-Citron. Les voitures dans notre quartier roulent quand même assez vite parce que moi, sur la rue d'Iberville, depuis 2-3 ans, l'asphalte a été refait. Donc, c'est une belle asphalte. Ça monte, ça va super bien. Donc, ceux qui connaissent la rue d'Iberville, c'est une belle asphalte neuf. Et puis, souvent, les bicycles qui descendent, donc, ils partent de la C1, C2, s'en viennent, descendent, passent en avant de chez nous, tournent. Colin, je veux pas repartir le débat, mais tu sais, des fois, les stops sont pas faits. Les stops sont pas faits, genre, au sortir de la rue des du Boisé, non pas des Bois, mais en tout cas, Boisé, là. Déboisé, puis de Chambly. Et souvent, c'est arrivé à quelques reprises, j'ai des voisins qui arrivaient sur Chambly, qui arrivaient pour tourner sur d'Iberville, puis des gangs de bicycles, ou peu importe, ça descend, ça fait pas les stops, c'est super dangereux. C'est vraiment une question de sécurité. OK? Et puis, c'est ça. Donc, souvent, les voitures doivent freiner à dernière minute. Dans le sentier de la B2, juste en face de chez moi, en fait, c'est drôle à voir, mais c'est pas drôle à vivre parce que j'entends souvent des gens sacrés et des familles aussi parce que, mettons que les vélos descendent de la C2, ils se donnent une bonne swing, pognent le jump du fossette, paf, jump dans B2. Là, tu as des petites familles qui arrivent, les enfants se garochent dans un tic, le monde ne savent plus où se garocher. C'est vraiment dangereux, puis il y a eu des collisions. Pour vrai, membre du conseil municipal, il y a vraiment eu des collisions. Et aussi, au sortir du petit pont de dans la B2, on s'en vient en vélo, puis moi, puis mes... Madame Côté, juste une seconde, c'est parce que c'est 5 minutes par question. Hey, c'est trop long! Et là, vous bref, avez... là, ma question, c'est... C'est ça, okay, là, la question. OK, là, je vais expliquer. Louis, Seigneur, stresse-moi pas plus. J'ai chaud. Ce que je voulais dire, c'est, là, je vous expose tout ça, c'est dangereux, c'est la sécurité des familles, des enfants, des cyclistes. Il y a, tu sais, j'aimerais vraiment ça, là, on m'a dit, écrire au comité de circulation. Je l'ai fait, je n'ai pas eu de retour. Et aussi, oui, ou à moins que j'aie mal sendé mes affaires, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de retour. Et aussi, ben là, je me suis dit, je vais aller voir mon super conseil municipal parce que Colin Debine... Vous avez bien fait, Mme Côté. Oui. Fait que ma question, c'est... Mais on a hâte de la connaître. Oui, c'est... On a, avec les amis des sentiers, Alain Planchant est venu chez nous pour vérifier s'il y avait des trucs à faire. Je voulais savoir, est-ce que la ville est ouverte? Est-ce qu'on s'assoit ensemble pour trouver des solutions à ça, à ce problème de circulation-là? Parce que... à un moment donné... Madame Côté, la réponse, c'est oui. Ah! Je suis vraiment contente, Louis, parce que, pour vrai, moi, je vois des petits-enfants, des familles, Madame des fois, Madame Côté, j'ai compris. Ouais. Yes! OK. Monsieur Lapensée, avec... on va faire un suivi là-dessus. Oui. OK, je promis. Puis, peut-être envoyer le document aussi au comité de transport actif. OK.
On va y arriver. Oui, bonsoir. Mon nom est Jean-Marc Drapeau. Je demeure à 135 rue des Deux-Montagnes. Je suis un résident permanent et il y a certains résidents permanents de mon voisinage aussi qui sont là. Puis il y a des permanents 6 mois de temps, puis il y a des résidences secondaires qui n'ont pas beaucoup de monde. Mais dernièrement, on a eu une surprise quand même. Il y a une interdiction de stationnement des deux côtés de la rue et assez loin quand même, merci. Et je comprends, je demeure là l'année dernière, quelquefois, la déneigeuse avec la misère à passer. Et c'est logique, quand le monde stationne les deux côtés de la rue, c'est un problème. Bon, ça, on est conscient de ça, mais il me semble qu'il m'apparaît logique si on empêcherait le stationnement, disons, d'un côté seulement et durant la période de l'hiver seulement. Je n'ai pas une habitude de venir ici. Je me suis renseigné un peu. J'ai envoyé des requêtes. Ce n'est pas clair, les réponses. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas clair? Je suis venu ici parce qu'on m'a dit qu'il y avait un règlement. Je n'ai pas pu en savoir plus sur le règlement. Et je n'ai pas bien compris, si je m'adresse à Marie de Montagne, on m'a dit qu'il allait y avoir un changement. Bien, en fait, M. Drapeau, savoir simplement oui, s'il va en avoir un. Oui, ça va se faire rapidement. Bon, merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est la place, je le réponds, c'est la place. C'est correct. Est-ce qu'on aura toujours les réponses tout de suite? Là, ce soir, ça tombe bien, oui. Il y a des fois que c'est non. Il y a des fois qu'on est obligé de revenir, mais les réponses vont être données aux questions. De mémoire, je pense qu'il y a un changement qui s'en vient sur Deux-Montagnes. Peut-être M. Sévigny va pouvoir vous répondre là-dessus, M. Drapeau. Je n'ai pas le détail fin de ça, là, mais il y a un des deux côtés au bout du rond-point oui, qui va être permis. On va permettre du stationnement d'un des deux côtés en période hivernale. Parfait. Alors, puis en même temps, ce qu'on veut regarder dans le cadre de l'exercice budgétaire, ça va être d'analyser la possibilité de mettre en place un système de vignettes qui est moderne en utilisant B-City, oui. Là, qui est oui, l'application oui. Que les citoyens ont déjà. Okay. Donc, on veut explorer ça okay. Pour justement régler la problématique d'achalandage le long des accès de pistes de ski. Parfait. C'est principalement là, okay. Là que les bon, enjeux se posent. Mais regarde, ça juste du gros bon sens. La seule chose, je comprends, le vignette, mais... Dans le moment, quand on vit là, la police de Bromont fait son travail. On est d'accord? Ah, ils sont bons, hein? Là, il n'y a aucun stationnement, puis il y a toutes sortes de raisons, là. Puis malheureusement, est-ce qu'on peut changer les... Logiquement, il me semble changer les pancartes de bord, là. Même il y en manque à des endroits, ça peut amener à confusion à des gens qui seraient même très bien intentionnés. Puis faire ça rapidement, ça. Puis après ça, avoir une meilleure solution. M. Sévigny? Absolument, c'est ça qui est l'objectif. Puis récemment, on en a parlé avec le comité okay. De gestion. Je pense que ça fait 2 semaines de ça. Et il devrait y avoir des changements sous peu, c'est bon, pas fait. C'est bon, si vous pouvez le faire rapidement quand oui. Même, parce qu'on vit là. Absolument. Puis la police fait son travail, on le sait. Merci, M. Drapeau. Vous êtes un grand diplomate. Merci, M. Drapeau. Merci de votre présence. Oui, bonjour. Félicitations donc au conseil. Là. Merci. J'en profite pour l'occasion. En fin de compte, ma question... Votre nom? Oui, André Godet. Oui, M. Godet. Je réside au 380 rue de l'Artisan. Et ma question porte en fin de compte, c'est sur une mise à jour, un suivi du projet de terrain concernant le pickleball à Bromont. Fait qu'on sait que le conseil, le 9 décembre 2019, avait entériné le projet, avait voté des sommes en 2020 pour... l'étude de plan de vie, ces choses-là. Et l'échéancier initial devait se faire pour septembre 2021. Ça, c'était dans le projet. On n'avait pas la pandémie à l'époque. Là, on est conscient de tout ça, là, de tout ce qui a pu arriver en même temps. Puis, en fin de compte, ben, le sport de pickleball continue à être très, très en vogue à Bromont. On est malheureusement obligé de limiter nos inscriptions à 125, là, entre autres pour la pandémie cette année. Mais année après année, c'est un peu la même chose. Puis, on sait que là, les étapes préliminaires sont faites au niveau du dossier. On sait que, également, bien, la pandémie, les choses reviennent à la normale. Ça fait que là, ce qu'on se demande, grosso modo, c'est est-ce qu'on peut prévoir que la réalisation des travaux pourrait se faire en 2022 concernant notre projet de pickleball? Je vous remercie beaucoup de votre question. On va donner une réponse. Oui. Hein? Vous avez votre président qui est avec vous ce soir. Effectivement. C'est un prof d'éducation physique dans le temps, me semble. Hein? Vous avez enseigné l'éducation physique? Oui. Et voilà. Bon, fait que vous êtes en bonne main. La réponse à ça est que ce qui avait été mis au PTI, M. Godet, c'était le budget avait été là et à l'époque, le conseil municipal avait mis ça conditionnel à une subvention. La demande de subvention a été faite. On n'a pas encore eu la réponse. Mais ceci étant dit,
J'ai eu une réunion avec le conseil municipal. Là. Lors du budget, on va regarder si on est capable de faire sauter, dépendamment là, de l'ensemble du budget, si on est capable de faire sauter cette condition-là. On comprend, on le voit bien, là, comment c'est populaire, le pickleball, puis comment c'est important pour les citoyens. Ça fait qu'on ne fera pas exprès pour le mettre là. Ça fait qu'on va avoir la réponse au budget à votre question, la réponse finale à ça. Là, mais c'est clair que c'est dans les plans. Puis j'espère qu'on va réussir à le faire en 2022. Moi, j'aimerais qu'on aille là. Mais il faut mettre ça dans l'ensemble de tout le budget. Hein? Ouais. Parce que vous savez, quand on arrive au budget, c'est toujours la même chose. C'est que c'est comme il y a 150 millions de projets, mais 10 millions disponibles. Fait que voilà. Mais c'est au PTI, donc c'est déjà prévu. Comme je vous dis, il y avait une condition. Ça a été clair, c'était par résolution. Ouais. On y va si on a la subvention. Okay? Donc le conseil a déjà dit oui au projet. Mm-hmm, il attendait la subvention. Là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on pourrait aller de l'avant sans la subvention, advenant le cas où il n'y en a pas? On est rendu là. On va au moins attendre la réponse. Ça devrait arriver. M. Sévigny, j'imagine, dans les prochaines semaines. 4 demandes de subvention ont été faites. Et il y en a une qui est encore en attente. On devrait avoir des nouvelles sous peu. Bon. Fait okay. Donc, il y en a 3 sur 4 qui sont déjà octroyées. Ce que j'en comprends. Il y en a 3 sur 4. Okay. On s'est fait dire non 3 fois. Mais on a espoir. On a espoir. Puis soyez assurés que dans des projets comme ça, là, moi, je suis en contact avec le bureau de notre député ministre, puis je ne me gêne pas pour appeler puis demander où sont rendus nos dossiers puis les défendre, nos dossiers. Je pense que si on est capable d'aller chercher l'argent, sincèrement, là, il ne faut pas baisser les bras. C'est toujours ça de moins qu'on a à payer quand on va chercher. Puis les subventions qu'on a réussi à aller chercher à Bromont, là, c'est en millions que ça se compte, ça, dans une année. Là, donc, c'est de l'argent qui ne sort pas de nos poches de Bromontois, ça sort de nos poches de contribuables, parce que ça vient du gouvernement, mais c'est ça. Fait que vous avez des alliés ici, c'est ce donc, que je veux vous dire. C'est bien apprécié, c'était tout simplement suivi. Merci. Merci. Bonsoir. Oui, je dirais que vous appelez M. Marc Serre. Bien deviné. Je vais lire mon texte. Je m'appelle Marc Serre et je suis citoyen de Bromont, résident sur la rue Champlain et voisin des secteurs de forte activité de développement immobilier, notamment des projets du Cercle des cantons et d'arborescence. Je viens vous soumettre mon opinion face à ces projets. Auparavant, je vous invite fortement à venir dans mon quartier et constater par vous-même de la réalité brutale de ces développements. Sur le site du Cercle des cantons, il n'y a plus de traces du paysage d'insertion. Sur ces anciens contreforts de la montagne, tout est maintenant plat. Les arbres ont été rasés, la forêt habitée jadis est remplacée par une série insipide de blocs uniformes, tout droit sortis d'une banlieue bétonnée. Nous sommes témoins d'une urgence climatique et écologique. La planification et le design de notre communauté est critique pour assurer un développement durable. Modifier la façon dont nous construisons notre ville est un véritable défi. La prochaine réforme de notre plan d'urbanisme est une occasion pour notre communauté de guider son avenir. La façon dont nous développons et calibrons nos projets est importante. À propos de notre plan d'urbanisme, au lieu de continuer de tenter de l'améliorer en y ajoutant un train de clauses réglementaires, ce qui nécessite des ressources en inspection et une approche policée, pourquoi ne pas envisager d'améliorer nos projets en amont? Qu'un promoteur qui fait une demande de PIIA soit dorénavant obligé d'être accompagné d'autres professionnels, architectes paysagers, designers de services, urbanistes, pour améliorer la qualité des propositions. Que les projets proposés comprennent tous des solutions réelles aux problématiques de mobilité, de protection de paysage et d'inclusion. Il faut aussi songer à rendre nos plans plus restrictifs et de cesser d'autoriser des projets malheureux sous prétexte qu'ils ont reçu des autorisations dans le passé. Actuellement, les promoteurs peuvent changer leurs plans à loisir sous prétexte des lois du marché, mais la Ville ne peut pas, elle, changer ses règles si la réalité l'exige. Afin de s'adapter et d'éviter de pilonner notre montagne comme dans mon quartier, il serait sensé que les permis émis par la municipalité soient prescrits dans le temps. Nous pouvons développer nos villes en célébrant le milieu d'insertion. C'est un défi d'architecture et de design qui doit tenir en compte des espaces verts qui font de notre ville un milieu si attirant. C'est à vous, au Conseil de la Ville, de piloter notre développement et d'assurer que nous construisons une communauté adaptée aux réalités de demain. C'est une grande vision dont notre ville a tant besoin. Merci, M. Serre. Merci. Bravo. Alors, il n'y a pas de questions dans mon texte. J'ai compris qu'il n'y avait pas de questions. Puis j'ai dépassé mon 5 minutes. Mais... c'est parce que... J'ai passé à la fin pour tout ça. Il a répété moins souvent. OK. Monsieur Serre.
Merci. Mais je vais quand même vous répondre. Vous pouvez vous asseoir, là. Prenez. Merci beaucoup. OK. Je pense que vous amenez des bonnes suggestions. Il y a des choses que je veux mettre en perspective parce que vous me connaissez assez. Vous savez pourquoi je suis venu en politique, là. C'est pour ça. Hein? Le Parc des Sommets, là, ça en est un exemple. Ça, c'est le Mont-Royal qu'on a sauvegardé. En 4 ans, c'est 1000 arbres qui ont été conservés à Bromont. C'est beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de municipalités qui peuvent se targuer d'avoir fait ça. Puis on n'a pas terminé. Alors, là, vous me parlez de projets comme arborescence puis Sac des Cantons. Vous avez amené des bonnes idées, des bonnes pistes, puis il faut les garder parce qu'on va travailler avec nos citoyens. Là, quand je vous ai dit qu'il y a une révision, là, je dois vous dire que j'ai déjà avisé le conseil que je louais un minibus et qu'on allait faire le tour de toute la ville de Bromont, toutes les rues à Bromont, de tout Bromont. On prendra toute la journée s'il faut, mais on va regarder tout ce qui a été échappé au fil des années, puis qu'est-ce qu'on veut plus dans notre ville, puis qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Puis ça va faire partie de la démarche pour qu'on puisse travailler sur la réforme du parc d'urbanisme. Maintenant, je veux juste qu'on fasse attention parce qu'après ça, ça s'enflamme sur, comment ils appellent ça, les médias sociaux. Bon, sous prétexte qu'il n'y a pas de prétexte, je veux dire, il y a eu des choses qui ont été acceptées par la municipalité de Bromont, je ne suis même pas ici, là. Il y a du légal là-dedans, OK? Arborescence, là, et l'autre, là, comme c'est là, là, si ça arrivait aujourd'hui à Bromont, là, ça serait non, en lettres majuscules soulignées 3 fois. Okay? Donc, ce qu'on réussit à faire dans ces projets-là, du mieux qu'on peut, c'est d'encadrer ça. Oui, on a rajouté des clauses, des affaires, des protocoles d'entente pour resserrer encore plus ça. C'est fini, il n'aura plus de ça. D'ailleurs, il ne peut plus s'ouvrir de rue en région, en dehors du périmètre urbain. On ne peut plus n'ouvrir de rue, c'est dans le règlement. Fait que ça ne sera pas là. Là, on a une opportunité. En mai, ça va faire 5 ans que le plan d'urbanisme est en vigueur. Puis on a le droit de faire, c'est la loi encore, d'en faire une révision. Croyez-moi, on va en faire une révision. Puis on va s'organiser pour faire les choses mieux. On va le faire ensemble. Les citoyens vont être appelés, comme on l'a fait dans d'autres cas, à venir travailler, amener des idées. On va tout colliger ça, puis on va travailler, on va mettre des consultants là-dedans. On ne va pas ça tout seul, là. Puis on va arriver à concocter quelque chose. Alors, je vous remercie pour être venu exprimer ça. Je suis en grande partie là, en accord avec tout ce que vous avez dit. À cette heure, il faut prendre le temps de faire les choses. Si vous saviez, M. Serre, en 4 ans, comment il y a des situations qui sont produites où je me sentais, là, hang off, là. Oh, excusez, c'est en anglais, M. Bilodeau. OK. Et c'est ça. Ça aussi, ça arrive. Puis des fois, je vais avoir la greffière. Mais là, on peut... Non, on ne peut pas faire ça parce que la loi, machin, parce que le règlement, machin, parce que... OK, comment on peut faire telle affaire? Comment on peut faire... Tu sais, vous savez, dernièrement, j'ai vu dans le courant de la dernière année, je suis allé voir M. Sévigny pour dire là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, tout le monde va arriver ici en même temps. Il arrive en parachute, en avion, en hélicoptère. Là, c'est Bromont, c'est go à Bromont. On veut tout aller rester à Bromont. Qu'est-ce qu'on fait? Encore là, on est dans le légal. Il y a des gens qui ont des droits. Vous, si vous avez un terrain sur telle rue, vous arrivez avec un plan de maison qui respecte le plan, je ne peux pas vous dire non. Donc, on fait quoi? On a consulté des avocats, des experts en urbanisme. Ils sont où nos poignées? Il n'y avait pas beaucoup de poignées. La poignée qu'on avait, on l'a pris vite en Moses. Il y a 9 promoteurs qui avaient des projets à Bromont, qui n'avaient pas eu encore de résolution générale de principe, etc. Ils ont tous reçu une lettre disant « Vous n'avez pas eu ça, pour l'instant, mettez ça dans le congélateur, on va revenir plus tard. Okay? » Là, on va travailler avec ce qui a été permis durant dans le cadre du plan d'urbanisme. On va prendre un pas de recul, on va faire une révision de notre plan d'urbanisme, puis on reviendra. Ça ne va peut-être pas toujours à vitesse qu'on veut, comme on veut. Je le sais, M. Serre, je viens du privé. On est habitué de se lever le matin et dire « Hey, on tourne à droite. Go, à droite. » Dans une ville, ça veut dire que tu rentres dans le mur. Tu tournes un paquebot dans une piscine, puis il ne faut pas t'accrocher les bords. Alors, c'est à ça qu'on est confronté. Mais sincèrement, là, ceux qui me connaissent, je ne suis pas venu ici. Puis le conseil qui est avec moi, même les nouveaux qui sont arrivés, on veut le bien de Bromont. On ne travaille pas contre les citoyens de Bromont. On ne travaille pas contre Bromont. On travaille pour Bromont.
Mais ce n'est pas simple. On a juste à gérer nos petites familles, puis ce n'est pas simple. Imaginez-vous quand tu gères une ville. Là, je ne voudrais pas gérer un pays, je viendrais fou. Alors, c'était ma courte réponse, M. Serre. Il n'y a pas de question, non. OK, good. Ben, habituellement, on me dit que je suis meilleur là, quand je donne des réponses, quand il n'y a pas de question. Hein? C'est ça. Madame, je vous en prie. Je vous en prie, madame. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Vous pouvez baisser votre micro. Hein? C'est quand... OK. Allô, allô, bonsoir. Votre nom? Marie-Ève Pétrin. Madame et, Pétrin. Je suis pour les solutions. Et oui. Je suis en train justement de... Je reprends la balle un petit peu, le relais. Donc, je suis avec Solutions RA. Nous, on est la faculté d'habitation écologique au Québec. On a aussi une école en France. Puis, j'ai rencontré dernièrement Marc Bellan. C'est lui qui m'a invité à venir ce soir. Puis, je voulais voir, mais comment on fait pour s'impliquer, soit justement en tant que citoyen ou bénévole ou comme ça, dans des conseils où, là, j'ai écouté justement les demandes de dérogation ce soir. Puis, moi, je fais ça, là, j'accompagne des gens dans leurs projets immobiliers à vocation écologique. Donc, j'ai des clients ici à Beaumont. Je suis rendue moi-même à Beaumont, puis on s'était vu, M. Villeneuve, c'est ça, avec la maison d'Étienne Vigneron, là, à Waterloo. Oui, oui. Exactement. Oui, bien, bonsoir. Fait que c'est ça, moi aussi, je suis rendue à Beaumont, puis ben, ça, j'essaie de voir comment je peux m'impliquer puis avoir encore plus d'impact avec tout mon bagage. Puis, bien, moi, ce que je vous dirais, là, rapidement, de rentrer en communication avec M. Sévigny dès demain matin, lui faire part exactement de toutes vos compétences. Parfait. Parce que là, on s'en va en révision du plan d'urbanisme, puis il y a peut-être des idées que vous pourriez apporter qui pourraient être intéressantes. Après ça, bien, je sais qu'à l'occasion, il se libère des sièges aussi au comité consultatif d'urbanisme. Ouais. Donc, de mettre votre appliqué pour... là, je sais qu'il y en a d'ouvert, je ne sais pas si c'est réglé, là, mais il y en avait, là. Peut-être voir, je ne sais pas, avec M. Sévigny, là, quand vous allez parler à M. Sévigny, il va répondre à toutes ces questions-là. Puis je suis très heureux. Vous êtes une nouvelle citoyenne de Beaumont? Oui, ça fait un an. Bon, mais écoutez, tant pis pour vous, on va utiliser vos talents. Oui, ouais, je suis contente. Okay. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je merci. Suis là. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'on avait d'autres questions? OK. Je suis d'accord, si on finit à 11 heures, c'est correct. Bonjour, monsieur. Bonjour. Claude Boivin. Monsieur Boivin. 646 du Charpentier. Oui, monsieur Boivin. J'étais en appui avec mes amis du Pickleball, mais j'ai une autre question à vous soulever. Je suis retraité et très heureux de vivre à Beaumont depuis 4 ans. Récemment, j'ai eu un accident au coin du boulevard Beaumont et du Nouveau Pont. Oui. Donc, pour tourner sur la rue Sheffield. La personne est venue empiéter dans la petite bande cyclable qui se trouve sur le boulevard Beaumont, m'a frappé sur le côté de ma bicyclette, puis je suis tombé par terre. Cette personne-là est sortie de sa voiture, stationnée sa voiture à l'entrée du pont, puis est venue me trouver, puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Moi, je prenais la villageoise et je tournais à côté du fameux lampadaire, des lumières. Alors, ma question, c'est... Vous avez parlé que le plan ou les travaux ne sont pas terminés. Le terrain qui est juste connect, je ne sais pas si ça appartient à la ville, là. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de regarder avec les travaux publics, de simplement faire une continuité, une courbe, pour qu'on embarque directement sur la piste cyclable. Mais, parce que ma femme et moi, on est allés en fin de semaine aux boutiques à Pilly, puis on a regardé pendant quelques minutes, puis à peu près 50 % des gens tournaient empiétait. Ben, il y a sûrement moyen, M. Sévigny, d'adresser ça puis faire de quoi de temporaire, à tout le moins, pour empêcher les gens de frapper vélo. Hein. J'ai pas appelé la police pour déclarer l'accident, mais je me rends compte que j'aurais peut-être dû. J'ai pas de séquelles physiques, mais je me dis, je voyais des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du côté du vélodrome en groupe. Puis à un moment donné, j'étais derrière un groupe. Puis des citoyens qui ont de la difficulté à tourner, justement, à partir pour aller tourner sur le boulevard Beaumont, passent assez, disons, la lumière était orange-rouge, puis on était tout un groupe de cyclistes au milieu de la rue, fait qu'on est obligé de reculer. Mais je pense que c'est une intersection là, avec la bande cyclable qui est vraiment étroite. Puis moi, je me dis, il y a du terrain à côté, ça serait assez simple. Ça va être adressé, M. Pétrin. Puis écoutez, comme je vous dis, quand je dis que ce n'est pas terminé, c'est tout à fait vrai, c'est que le MTQ va finir l'aménagement. Donc, où sont les feux de circulation? Mais tout ce coin-là qu'ils font au printemps. Et là, ils vont ajouter les voies de tournement
à gauche. Mais entre-temps, nous, la ville, vous venez de souligner quelque chose. Oui, vous auriez dû appeler la police, mais ça, déjà réduit, on ne va pas loin avec ça. C'est ça. C'est pas important. Au moins, vous êtes ici ce soir, vous témoignez de ce qui vous est arrivé. M. Sivigny en a déjà pris note. Il va avoir un suivi de fait là-dessus. Il n'est pas question que les citoyens se fassent ramasser par un auto au coin de la rue. Là. Surtout que le bicyclette plus haut est drôlement large. Mais tu sais, quand on tourne, c'est vraiment très étroit. C'est pas terminé, ça non plus, hein? Ouais, je vais vous dire. C'est jamais terminé, hein? C'est... Mais le nouveau pont est vraiment bien, puis la piste cyclable aussi. Alors, juste des petites améliorations. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Merci à vous. Alors, si c'est complet, je vais demander à quelqu'un pour proposer et appuyer la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. Je merci. L'appuie. Merci beaucoup. Écoutez. C'est le gars qui parle, mais il ne veut pas se faire entendre. On est content de pouvoir faire des séances du conseil en présentiel, que les gens viennent sur place. Vous avez vu, il y a moyen de se parler, de se comprendre, de ne pas avoir le bruit des médias sociaux qui est souvent agressif. Au moins, on est ici, on se parle, on s'entend, on se comprend. C'est la place pour se parler. C'est ici, la ville. Moi, si je veux savoir ce qui se passe chez Saint-Hubert, je ne vais pas poser des questions aux Mikes. Je vais au Saint-Hubert. À Saint-Hubert, là, c'est ici. Fait que bienvenue, bienvenue le mois prochain et le mois d'après. Et ensemble, je pense qu'on va continuer à bichonner notre ville puis à faire en sorte qu'on va faire une gang de jaloux. Merci, bonne soirée.